Bien, bonsoir à toutes et à tous. Donc nous allons pouvoir commencer ce conseil communautaire donc du 24 juin 2021. Et comme il en est l'usage, on va procéder donc à l'appel. Michel Poupart. Présent. Alors, je ne me trompe pas de case. Alain Huneau, présent. Catherine Siron. Présent. Georges-Henri Nomarie. Jacqueline Bombray. Rudy Boisseau. Claudie Sonnet, Elias Amnouni, Christine Bourdel, Jean-Luc Marsollier, Simone Gitto, Bernard Godin, François-Xavier Lehéchaud, Dominique David, il est là, Jacqueline Leblé, Michel Oran, Laurence Lebihan, Isabelle Dufour-Boucher, Jean-Noël Baudouin, Lucie Paul, Alain Le Tolguenec, Sébastien Crossoir, Béatrice Pierisnard, Sylvain Hamon, il doit être. C'est ça, d'accord. Ok, donc Marie Rennebois, Sylvain Descarpentries. Brigitte Maison, Alain Guillois, Yves Fromentin, Mireille Bellon-Chameau, Hervé de Trogoff, Géraldine Pinson-Leray, Marie-Pierre Guérin, Jean-Yves Jiquel, Patrick Galivel, Annette Piétin, oui, procuration. Okay. Alors, Yvan Ménager, Edith Marguin, Guy Delaunay, Jean-Michel Duclos, Isabelle Michaud, pouvoir, oui, à Jean-Noël. D'accord. Catherine Lehéchaud, Louis Simoneau, Daniel Rabu, Marie-Paul Séché, Jean-Michel Chevalier, Alain Rabu, Marianne Laillet, Bruno Dobré, Martine Chevalier, je vois rien de noté. Ah, pardon. faut parler plus fort. Voilà. Jean-Claude Deguet, Nathalie Pigret, Didier Pétier, pro pouvoir à Edith. Et Philippe Dugraveau. Donc voilà, donc effectivement, donc dans les procurations, donc effectivement, il y a donc Georges-Henri Nomarie, procuration, donc. Ah non. Il est là. Donc voilà. Donc tout est bien noté. C'est bon. OK. Merci Dominique. On va donc accueillir Didier Pétier qui, s'il veut se présenter. Il est absent. Il est absent. Pardon. Donc secrétaire de séance, Lucie, Paul, toujours d'accord. Donc on va soumettre à votre approbation le procès-verbal du dernier conseil communautaire. Il n'y a pas d'observation, merci. On va commencer l'ordre du jour. Donc ce que je vous propose, c'est peut-être que Dominique fasse l'exposé de la première délibération, mais avant d'en débattre, on va accueillir les représentants de Pitch Promotion. Alors on commence la délibération peut-être, okay. Et puis on les fait rentrer ensuite, si vous voulez bien. D'accord. Bien, donc... délibération donc numéro 2021-057. Donc, c'est une cession de parcelle à la société Pitch Promotion au parc d'activité des estuaires à Derval. Donc, par un courrier en date du 26 avril 2021, la société Pitch Promotion, représentée par son directeur général, M. Luc Papillon, a souhaité se porter acquéreur d'un ensemble foncier de 9 hectares situé sur le parc d'activité des estuaires Espace du Mortier à Derval.
Donc, Pitch Promotion est une société de promotion immobilière intervenant depuis plus de 25 ans sur tout le territoire national. Forte de son expérience dans l'aménagement des territoires et en concertation avec les collectivités, Pitch Promotion affirme ses compétences au travers du développement de projets complexes et structurants destinés à l'industrie et à la logistique avec des clients tels que Airbus, Lidl, La Poste ou encore le groupe Casino. Donc, le projet consisterait alors à réaliser un ensemble immobilier logistique de référence nationale d'une surface de plancher de 38 000 m². Cet immeuble vertueux s'inscrirait dans une démarche de certification environnementale ayant notamment recours à des solutions de production d'énergie bas carbone. En phase d'exploitation, l'activité développée par cette plateforme permettrait de créer jusqu'à 250 emplois à temps plein sur des qualifications et des profils variés. L'investissement global est évalué à plus de 30 millions d'euros. Les parcelles XW numéro 152 et XW numéro 153 d'une superficie globale d'environ 95 000 m² seraient exploitées à cette fin et permettraient d'accueillir 7 unités. Le service des domaines a estimé la valeur vénale à 20 euros hors taxe le mètre carré par courrier en date du 19 janvier dernier. Afin de permettre la réalisation de ce projet, il vous est proposé de procéder à la cession de ces deux parcelles d'une superficie d'environ 95 000 m² au prix donc de 20 euros hors taxe le mètre carré. La signature de l'acte ou du compromis de vente devra être réalisée dans les 6 mois suivant la décision du Conseil communautaire. Passé ce délai, la délibération sera considérée comme caduque. Ce dossier a été examiné lors de la commission Finances, Économie, Emploi, Formation et Chambre consulaire qui s'est réunie le 16 juin dernier. Donc nous allons accueillir maintenant donc M. Papillon. Bien, donc je vous présente donc Monsieur Papillon, donc étant responsable effectivement sur le groupe Pitch Promotion et que nous avons donc rencontré donc il y a maintenant plusieurs semaines donc sur ce projet effectivement d'acquisition sur le parc donc de l'espace du Mortier à Derval. Donc ravi de vous accueillir Monsieur Papillon pour nous présenter ce projet. Merci Monsieur le Président, merci Monsieur le Vice-Président, bonjour. Voilà, je vous remercie pour cette invitation, je suis content d'être avec vous pour vous rencontrer. C'est effectivement un projet qui nous tient à cœur et ça nous paraissait tout à fait logique et normal de venir le présenter et venir me présenter et présenter la société pour laquelle je travaille qui, vous l'avez rappelé, s'appelle Pitch Promotion, qui est une société qui existe depuis 25 ans, qui est un promoteur immobilier, qui appartient aujourd'hui à un groupe Altarea, qui est une société française cotée, dont l'activité est le développement de projets immobiliers, qu'ils soient résidentiels ou d'immobilier d'entreprise ou de commerce. Cette société, à la différence des promoteurs immobiliers, est une foncière, ça veut dire qu'elle garde en patrimoine, en fait, les bâtiments. Voilà, moi je travaille depuis 25 ans dans la société Pitch Promotion où j'étais associé. Donc je suis resté après le rachat de cette société et j'ai toujours travaillé sur le secteur de la construction des bâtiments industriels et du développement de parcs d'activité. C'est une activité qu'on a sur toute la France. Et donc il nous apparaissait aujourd'hui à la lecture d'analyses économiques pertinent
de poursuivre un développement sur les Pays de la Loire pour accompagner un mouvement qui est né, en fait, la réflexion d'industriels, de distributeurs spécialisés, de grands distributeurs, pour distribuer correctement les marchandises auprès des habitants de ce pays. Vous habitez une région particulièrement dynamique, ça je pense qu'on vous l'a déjà dit, mais c'est ce qui ressort des chiffres. On voit en revanche qu'il y a un parc immobilier pour accueillir la distribution des marchandises et la bonne organisation de cette distribution, qui est un enjeu majeur. La crise qu'on vient de traverser l'a bien montré. Ben finalement, un parc immobilier qui n'est pas au niveau, et en qualité, et en nombre. Voilà. Alors, la société pour laquelle je travaille donc, fait à peu près 300 millions de chiffres d'affaires, avec une répartition résidentielle, immobilier, entreprise, qui fluctue un peu sur les années. Je pense qu'on peut passer peut-être sur les autres slides. Voilà un petit peu le type de réalisation que nous avons à vous présenter en référence. Alors juste un petit peu avant, pardon. Voilà, donc la vignette en haut à gauche correspond à un bâtiment que nous avons réalisé pour Monoprix, pour la filiale logistique, il y a un peu plus de... Il y a presque 20 ans maintenant. Voilà, c'est un bâtiment qui était intéressant par son architecture, puisqu'on avait une exigence forte avec la proximité d'un bois, d'une forêt à côté, qui est celle de la forêt de Sénart. Et donc on avait travaillé avec un architecte, Jean-Jacques Horry, pour essayer d'avoir une valorisation sous la forme d'un péristyle qui venait devant l'ensemble de stockage. L'adhésion, pourquoi on a gardé cette vignette ? C'est parce que l'adhésion du personnel de Monoprix était très forte pour suivre cette relocalisation des sites qui étaient en cours de fermeture sur Orly et sur le Plessis-Robinson, c'est-à-dire bien plus proche de Paris. Et ils ont suivi très nombreux, à plus de 90%, sur cette relocalisation dans un bâtiment adapté aux normes de sécurité, de logistique, un peu plus loin de Paris. La vignette qui est en dessous, c'est un projet qui me tient à cœur aussi. Il s'agit d'un bâtiment que nous réalisons pour l'Institut catholique des arts et métiers, avec la communauté d'agglomération du Grand Paris Sud, à peu près 35 km de Paris. C'est un campus dans lequel, en fait, il y a un foyer pour étudiants, des locaux d'enseignement, et puis ce qu'on appelle une Fab Lab, c'est-à-dire des endroits où les étudiants peuvent s'exercer à... essayer les matériels, des projets, à expérimenter. Voilà. Donc on est en train de livrer la dernière tranche de ce bâtiment qui s'est construit en 6 ans pour pouvoir monter jusqu'à à peu près 1000 élèves par année maintenant. On a commencé à 300, puis 600, et puis maintenant 1000. Voilà. Le projet, la vignette en haut à droite, c'est celui d'une rénovation urbaine sur une friche industrielle. Il s'agissait d'un terrain très abîmé qui appartenait à un investisseur, mais qui lui-même l'avait racheté à Kodak. Kodak est parti. Et donc, cet investisseur était très ennuyé. Ce n'est pas son métier de valoriser des friches. Donc, on l'a racheté, on l'a dépollué. On a trouvé pas mal de sujets de dépollution, de carrière aussi. On est proche de Paris, donc ça arrive de temps en temps. Et on a recréé dans le secteur de Bagneux, qui est un secteur très social, au sud de Paris. Un parc de 10 000 m² à 5 km du périphérique de Paris, au milieu de logements très sociaux. Et on a pu intégrer pas mal d'entreprises, pas mal de bureaux d'études. Et c'est un parc qui vit depuis une dizaine d'années. Donc, je regrette qu'on n'ait pas pris soin de mettre plutôt une photo qu'une perspective. Mais ce projet nous tient aussi beaucoup à cœur. Voilà. Alors, on en arrive... Alors peut-être revenir un petit peu avant. Voilà, à une vue plus générale. Une vue aérienne. Alors, en quelques mots, je vous l'ai dit... Je voudrais aujourd'hui expliquer la raison pour laquelle nous pensons que c'est pertinent de faire ce projet aujourd'hui
sur votre territoire. Comme je vous l'ai dit, les industriels et les grands distributeurs ou les distributeurs spécialisés sont en train de revoir sous l'impact des modes de consommation, du e-commerce notamment, leur chaîne pour distribuer les marchandises, qu'il s'agisse du B2B, c'est-à-dire d'entreprise à entreprise ou d'entreprise à des consommateurs finaux comme nous. C'est un grand mouvement qui est engagé et il y a des enjeux stratégiques pour tous. Je pense que c'est perceptible dans la presse économique, mais aussi dans les informations télévisées de tous les jours. Donc il y a une vraie réflexion, il y a des vrais enjeux, et il faut pour cela préparer des zones, les équiper autour d'un accès routier, parfois ferré quand c'est possible, et surtout avec un bassin d'emploi qui soit capable et intéressé pour venir travailler dans ces futurs bâtiments. Il ne s'agit pas du tout de garde-meubles, comme on en imaginait dans les années 70 ou 80. Il s'agit aujourd'hui de véritables usines, puisque vont être non seulement acheminées des marchandises, mais avant leur acheminement, il va y avoir une préparation de commandes, un contrôle qualité, une organisation d'opérations de marketing, souvent à l'échelle du territoire et pas seulement d'une région. Pour y parvenir dans de bonnes conditions et maîtriser la qualité de ces opérations et la traçabilité de ces opérations, ben, on rapporte aujourd'hui de plus en plus de compétences et donc de beaucoup d'emplois. On est sur un ratio d'environ 20 emplois à l'hectare. Mais on a aujourd'hui surtout bien évolué sur le montant de l'investissement industriel qu'on retrouve dans ces immeubles. Voilà. Donc c'est la raison pour laquelle il est compliqué de développer ces projets. Il y a une réglementation qui s'est compliquée également. Donc il faut anticiper ce mouvement pour pouvoir présenter aux industriels des projets qui sont prêts à démarrer. Donc c'est mon métier depuis 30 ans, 25 ans chez Pitch. Et donc on s'appuie sur des architectes spécialisés. Je parlais d'emploi, je sais que c'est un point important pour tout le monde ce soir. Donc on a fait un petit zoom sur le type et la typologie d'emploi que vont rechercher en fait les futurs utilisateurs de cet immeuble. Donc il y a une phase. D'abord, on tient beaucoup à l'ancrage local de ces emplois. Ça, c'est assez facile à comprendre. Il faut que les gens puissent venir facilement travailler dans un rayon de moins d'une demi-heure. Deux, il faut qu'ils aient une compétence et le goût de venir travailler dans ces immeubles. Donc là aussi, je laisserai la parole à l'architecte, mais il faut travailler sur ces lieux de travail un peu autrement que ce qu'on a fait jusqu'à présent. Après, il faut donner, en termes d'architecture, une image et une vitrine pour que l'entreprise qui viendra sur ce site implanter ses activités. Attends, on revient. Voilà, encore. Revenir sur ce site. Voilà, implanter ses activités puisse être valorisée. Alors, si on vient aujourd'hui sur le secteur, c'est évidemment pour pouvoir proposer à nos clients de desservir l'ensemble de la Bretagne ou des Pays de Loire aujourd'hui. Donc on a trouvé un écho et un accueil favorable jusqu'à présent de la part des gens qu'on a rencontrés. On a commencé à rencontrer quelques chefs d'entreprise également qui voient d'un bon œil le développement de ce projet. Dans les points qui nous tiennent à cœur également, il y a deux informations que je voudrais rappeler. Il s'agit de logistique de produits de grande consommation. Je pense que vous l'avez compris, je parlais de marchandises. Deuxième point qui me tient à cœur de préciser, puisque je vous ai dit qu'on était dans une foncière, c'est que nous resterons propriétaires de cet immeuble. Donc c'est nous qui investissons directement. Que le patron du groupe Altarea est aussi son fondateur.
et président. Donc ça, c'est un point important pour la pérennité, en fait, de ce projet sur le territoire. Troisième chose que j'ai oublié de mentionner, c'est qu'il y a une démarche environnementale forte dans le groupe, avec des valeurs qui sont affirmées dans une politique de responsabilité sociale et environnementale, avec des objectifs qui sont mesurés chaque année, et que de fait, tous les projets, et notamment celui-là, répondra à une ambition et des critères dont on vous rendra compte, évidemment au développement de ce projet, mais aussi sur la vie de ce projet. C'est ça un point que je voulais rappeler ce soir. Dans les objectifs environnementaux, il y a évidemment l'objectif de ne pas gaspiller de terrain, l'objectif de gérer correctement l'eau, qui est une ressource, l'objectif de minorer l'impact de ce projet sur la biodiversité. Donc on va en dire un mot tout à l'heure, puisque sur le terrain, il y a un certain nombre de haies arbustives qui existent et que nous allons nous efforcer de conserver. Il y a aussi un objectif de production d'énergie. Donc la toiture de ces bâtiments seront équipées en tout ou partie de photovoltaïque, de panneaux photovoltaïques, pour pouvoir produire l'énergie qui sera utilisée à l'intérieur par le futur exploitant, mais aussi le diffuser sur le réseau. Donc c'est de l'énergie renouvelable. Pour cela, nous avons, dans le cadre d'une alliance ou d'un partenariat avec EDF, accès à beaucoup de projets innovants et surtout une expertise, une compétence qui vont pouvoir s'inscrire dans le temps. Donc ces installations seront pilotées par EDF sur les toitures. Alors je vais un petit peu parler très vite. Je vais peut-être, le plus intéressant, c'est peut-être que vous regardiez la lecture du bâtiment, ce qu'on fait sur ce terrain. Je vais la passer la parole donc à notre architecte qui s'appelle donc François Delasserre, qui est spécialisé sur le développement et la construction de ces bâtiments. Et donc François, je te passe la parole. Merci Luc. Bonjour à tous. François Delasserre, architecte. Effectivement, donc merci de nous accueillir ce jour pour vous présenter effectivement cette première esquisse sur ce foncier, donc l'espace du Mortier que vous connaissez, sur le parc d'activité des estuaires. Aujourd'hui, on est sur tout autour, on voit du paysage, cette vue aérienne, des champs. Et effectivement, après, nous avons donc ce bassin économique avec une première plateforme effectivement que vous connaissez juste au nord de la parcelle qui est du coup le triangle en rouge en bas qui fait 9 hectares et demi. Et vous avez aussi une zone artisanale avec des entreprises sur l'est, le long effectivement de la route des estuaires. Donc effectivement, on est très bien raccordé au niveau des accès, au niveau du parc, puisqu'on est sur un lieu un peu stratégique entre Nantes et Rennes, qui permet effectivement pour les logisticiens, comme disait Luc Papillon, c'est très intéressant effectivement d'avoir des circuits courts aussi pour faire ces nouveaux métiers de logistique qui ne sont plus des greniers, comme disait Luc, qui sont vraiment maintenant un outil industriel au service de la population. Donc aujourd'hui, au niveau du foncier, c'est un champ agricole, aujourd'hui, qui est bordé, comme disait Luc tout à l'heure, par au sud, par beaucoup de chênes, beaucoup d'arbres de qualité. Donc effectivement, en tant qu'architecte, mon métier, c'est effectivement de répondre à la fois, bien entendu, à un outil de travail, à une sécurité, bien entendu. Sécurité routière, on va en parler, et sécurité dans le site, pour le bien justement des personnes. Et aussi, bien entendu, nous avons un rôle d'accompagnement avec Pitch sur la partie environnementale et développement durable, comme a pu vous expliquer Luc. Mais nous avons aussi
si on peut amener, même sur ces bâtiments, un peu de poésie et un peu d'intégration dans notre paysage en France, c'est aussi une plus-value que nous essayons dans le groupe de rechercher pour intégrer ces bâtiments. Aujourd'hui, vous voyez trop de bâtiments logistiques qui sont des boîtes blanches, qui ont un impact dans le paysage pas très agréable. Et effectivement, nous nous efforçons, nous, c'est notre devoir en tant qu'architecte, de travailler sur le paysage, dans le respect de notre monde rural, de cette beauté de la nature que nous avons tout autour. Donc à nous, à trouver l'équilibre, l'architecture est là pour essayer de trouver l'équilibre entre nos besoins, un développement économique, tout en respectant effectivement la partie environnementale et l'intégration dans son paysage. Donc je vous expliquais un peu, je vais revenir dessus sur ces recherches. Effectivement, nous avons d'abord travaillé sur comment implanter ce bâtiment sur ce foncier. C'est un foncier qui a une géométrie assez complexe, puisque effectivement c'est un triangle. Cependant, nous arrivons à bien intégrer quand même. Donc nous souhaitons le mettre au nord effectivement de la parcelle. Il va être dans le même alignement que le bâtiment au nord existant, qui nous permet effectivement de dégager au sud nos entrées et nos flux, puisqu'aujourd'hui, sur les bâtiments logistiques, je ne sais pas si je peux appuyer sur un bouton, voilà, super. Donc effectivement, nous allons avoir l'entrée plutôt au sud de la parcelle, où là, nous avons l'entrée commune. Le but du jeu est d'éviter d'avoir effectivement trop d'entrées et trop de sorties. Cependant, nous avons quand même aussi des entrées aussi pour les secours, pour les pompiers. Donc nous allons avoir l'entrée des semis avec un poste de garde que vous avez ici, avec des stationnements poids lourds d'attente. Le but du jeu, effectivement, pour cette logistique, c'est d'avoir effectivement l'ensemble des camions en attente à l'intérieur du site pour justement éviter d'avoir du danger, de la sécurité routière à l'extérieur du site. Donc le site est clôturé, bien entendu. On entre, on a effectivement un poste de garde, des semis en attente qui vont pouvoir après aller dans chaque cellule. Je vous montrerai après sur le plan, avec une série des quais qui seront côté sud. Nous avons au centre ici des parkings paysagers, on reviendra tout à l'heure. On a 293 places de parking VL pour l'ensemble du personnel. Ils pourront aller directement dans le bâtiment depuis effectivement ces passages piétons protégés que vous avez ici. Donc l'emprise du bâtiment, il est ici. Donc, c'est des bâtiments qui sont assez géométriques pour la simple raison c'est que nous sommes en autorisation d'installation classée pour protection de l'environnement avec des règles très strictes au niveau du SDIS, au niveau de la sécurité incendie. Et ce sont des cellules du coup coupe-feu que je vais vous expliquer juste après. Après, là, vous avez deux petits ronds, ce sont les cuves de sprinklage. C'est des cuves d'eau qui permettent effectivement, en cas d'incendie, de mettre en sécurité le bâtiment et chaque cellule. Là, vous avez l'organisation en plan des cellules, justement, la cellule A, B, C et D. Ce sont des cellules, aujourd'hui, nous allons de 6000 jusqu'à 12000 m² par cellule. Donc, c'est des cellules de stockage et aussi de conditionnement. Donc, on vient, on prépare, de préparation, bien entendu, pour sortir, effectivement, les colis et irriguer, effectivement, l'ensemble des besoins. Vous avez, effectivement, trois antennes ici. Ces antennes, ce sont les locaux sociaux, des bureaux et nous avons aussi les locaux de charge aussi puisque nous avons besoin de caristes pour effectivement porter justement l'ensemble des marchandises pour chaque cellule. L'avantage de faire trois postes de bureaux et trois cellules, cela permet d'avoir une réversibilité dans le temps. Aujourd'hui, il est important, effectivement, dans nos bâtiments, ce sont des investissements importants.
d'avoir des bâtiments durables aussi au niveau de son activité. Aujourd'hui, le monde, notre monde aujourd'hui évolue. Vous l'avez vu avec le Covid, avec le e-commerce, mais demain, ce sera encore autre chose. Donc aujourd'hui, il est important d'avoir une modularité et une réversibilité, effectivement, sur les différentes activités de logistique. Donc il est préférable, effectivement, de fragmenter ces points pour permettre, effectivement, d'avoir plusieurs outils dans ce bâtiment, puisque c'est un impact important, puisqu'il fait près de 38 000 m². Donc le fait de fragmenter va le permettre de vivre économiquement en fonction justement des évolutions des futures décennies sur les différentes activités que nous pourrions avoir sur l'évolution des sociétés et des locataires sur le projet. À chaque fois, effectivement, c'est pour ça qu'on a des parkings aussi tout le long qui irriguent à chaque fois justement ces trois unités de bureaux avec ses locaux sociaux, les vestiaires et l'accueil effectivement de l'ensemble des salariés. Ça, ce sont des vues justement que j'essaie de rechercher sur le projet. Donc là, vous avez à la fois une image vue d'avion et une façade. La vue d'avion permet de voir effectivement les fameux chênes que nous avons tout le long de la voie ici. Le bâtiment existant logistique que vous avez ici. La voie principale qui connecte effectivement le projet, et sur la partie de droite ici de l'image, vous avez l'ensemble de l'activité économique avec des bâtiments tertiaires sur ce côté-là. L'effet recherché ici, c'est vraiment d'essayer d'intégrer le projet dans son environnement. Aujourd'hui, nous avons un paysage avec beaucoup de champs agricoles, de blé, de maïs. Et j'ai souhaité effectivement travailler cette façade et la pixeliser comme un tableau. J'ai pas la prétention, bien entendu, d'être un impressionniste, d'un peintre impressionniste, mais effectivement, ce sont mes références sur ce projet, de pixeliser comme un artiste aurait pu faire un coup de pinceau et essayer de retrouver justement ces codes à la fois du rapport au ciel et de paysage, de nos champs. Sur l'ensemble de la façade principale ici, puisque ces bâtiments sont très longs, à peu près 15 mètres de haut. Donc effectivement, le but recherché est de pixeliser et de trouver un graphique qui permet de mieux s'intégrer dans le paysage. Et on va même étudier avec Arcelor, donc un fournisseur de bardage métallique. Aujourd'hui, dans la construction, vous avez des bobines, construisez effectivement avec des bobines, et souvent il y a des chutes de bobines, puisqu'il y a des commandes. Ces chutes, généralement, elles partent en Afrique ou elles partent en recyclage. Là, le but, effectivement, c'est de récupérer ces bobines et ces fonds de bobines pour, effectivement, dans la mesure où on a des petits morceaux de bardage, de permettre, effectivement, donc de recycler, justement, ces bardages et d'en faire un tableau bien intégré dans le paysage. Voilà, donc à la fois on essaie de rechercher une intégration paysagère et à la fois aussi on essaie aussi d'éviter les déchets, d'éviter ce gaspillage dans la construction. C'est un point très important aujourd'hui. Nous devons vraiment changer nos méthodes de travail dans nos métiers du bâtiment. Donc là, nous retrouvons effectivement l'ensemble du bâtiment avec, comme disait Luc tout à l'heure, les panneaux photovoltaïques sur le toit. Donc là, effectivement, on va avoir un mix entre du panneau photovoltaïque et du désenfumage, puisqu'aujourd'hui, on est obligé de désenfumer ces cellules. Les traits que vous voyez ici, c'est des murs coupe-feu, puisqu'on est obligé de recouper. Si une cellule prend feu ici, elle n'atteint pas l'autre cellule de l'autre côté. Voilà, c'est pour ça que vous avez ce fractionnement à l'intérieur, avec effectivement ce projet. Vous retrouvez justement les trois unités de bureaux, locaux sociaux, vestiaires. De part et d'autre, effectivement, vous avez les mises à quai pour les camions. Là, vous trouvez le parking VL et les 300 places paysagères. Ici, où on pourra mettre aussi des mâts d'éclairage photovoltaïque. Donc, on a des usines en France qui le font et qui permettent effectivement d'éviter d'avoir trop de câbles au sol et d'avoir une autonomie sur les éclairages aussi extérieurs pour permettre le soir et le matin de bonne heure au personnel de pouvoir être éclairé justement, et on évite des consommations énergétiques sur ces places, puisque c'est quand même 300 places de parking.
ou comme vous avez vu une illustration tout à l'heure, on en reparlera sur d'autres illustrations, nous avons des noues paysagères où justement le traitement de l'eau, la perméabilité des sols sont des sujets effectivement qu'on évoquera lors des études de permis de construire. Voilà, donc là effectivement c'est ce travail effectivement de noues paysagères. Aujourd'hui un parking, une place de parking c'est 5 mètres, mais finalement on peut faire 4 mètres 50 de profondeur, un blocage de roues avec un bastin en bois, et effectivement on va travailler sur des noues paysagères ici pour effectivement à la fois avoir une perméabilité des sols et retrouver du paysage justement sur ces parkings et éviter d'avoir des parkings type supermarché où on fait que des enrobés partout. Retrouver aussi la nature dans le site, c'est d'abord un respect par rapport à ce foncier, c'est un respect aussi par rapport à l'environnement, et c'est aussi je pense du bien-être aussi pour les salariés qui travailleront dans cette usine. Donc ça c'est le photovoltaïque, Luc en a parlé tout à l'heure. Donc le but effectivement est de faire de l'autoconsommation. Voilà, et donc d'être utilisé pour le fonctionnement de l'immeuble, de l'activité de l'immeuble. Vous savez que dans ces immeubles, il y a de plus en plus de mécanisation, c'est-à-dire de robots qui travaillent. Il y a de plus en plus de gens pour surveiller les robots et les maintenir dans des tâches nouvelles. Donc ça fait des profils d'emploi bien différents, plus riches. L'énergie est aussi utilisée pour éclairer l'immeuble dans les halles, travailler dans une bonne ambiance lumineuse, travailler aussi à la recharge des chariots aussi. Travailler aussi sur la fourniture d'énergie pour les gens qui viendront en voiture électrique. Donc tout ça, ça fait partie d'une démarche structurée sur laquelle on vous rendra compte, évidemment, avec le futur utilisateur de cet immeuble. Vous voulez parler de l'investissement, peut-être ? Alors, c'est un investissement pour nous d'environ d'une trentaine, 35 millions, à peu près. Cet investissement, il vient compléter d'autres investissements. Tout à l'heure, on a sauté une carte qui montrait en fait nos positions, qui constituent un maillage en fait un peu en France, qu'on vient compléter sur des projets. Elle est sur la carte, mais elle n'est pas. Ah. Elle n'est pas. C'est pour ça que j'ai cherché tout à l'heure. Bon, il y a à peu près 700 000 mètres qu'on développe en France. Tiens, c'est dommage parce que c'est cette carte. On peut peut-être la montrer comme ça. Donc en fait, on est positionné sur pas mal de métropoles, au nord, au sud, et surtout à l'ouest, très peu à l'est finalement. L'idée, c'est d'offrir à nos clients la possibilité de venir autant à Lyon, qu'aujourd'hui à Derval, dans de bonnes conditions économiques, de sécurité, de qualité d'immeubles. Et donc ça crée une dynamique de maillage qui est aujourd'hui importante pour nous dans le cadre du développement de cette foncière. On vous a mis quelques chiffres sur les distances et les temps de trajet entre Nantes et Rennes, mais là pour le coup c'est un document qui est plutôt à usage interne parce que je ne vais pas vous apprendre combien de temps il faut pour aller à Nantes ou à Rennes. Ça ne va pas apporter grand chose. Mais on voit vraiment que, vous voyez sur ce document de travail, que vraiment notre objectif, c'est de pouvoir irriguer à partir de Derval une grande partie du nord des Pays de la Loire. Voilà, c'est un projet donc important pour nous, qui n'est pas isolé du tout. Ça participe d'une stratégie qui est inscrite depuis longtemps. Hein. Je travaille sur ces projets, moi, depuis 2016 à peu près. Donc c'est important et je suis content de pouvoir, si vous en êtes d'accord, parce que l'objectif aussi c'était de vous rencontrer. Hein, c'est un projet avec les élus, avec les collectivités, avec les équipements. Il n'y a rien de figé dans le marbre. Si vous êtes d'accord sur ce principe, en tout cas d'entrepôt, on pourra se revoir pour regarder, écouter vos remarques. C'est notre façon de travailler aussi. Je parle du calendrier, peut-être. Comment ? Je parle du calendrier, non ?
On peut peut-être parler d'un calendrier prévisionnel. Alors, excusez-moi, la présentation, effectivement, n'affiche pas toutes les pages, je m'en excuse. Au niveau du calendrier prévisionnel, effectivement, le souhait notre souhait, nous avons d'abord une phase administrative. Cette phase administrative, elle est assez longue, puisque, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, nous sommes en ICPE, installation classée, en autorisation. Donc ça nécessite effectivement des discussions avec la DREAL, avec le SDIS, pour effectivement déposer le permis de construire. Donc il y aura à la fois le permis de construire et à la fois la partie ICPE. En sachant qu'on est déjà en ZAC, donc il y a déjà eu des études de faune flore et des études d'impact environnemental de fait. Cependant, comme a dit Luc tout à l'heure, nous allons travailler aussi pour conserver un maximum effectivement de bocage et les plantations sur site, même si c'est un champ agricole, tout ce qui est périphérique, effectivement, le but du jeu est de le conserver. Et effectivement, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est au niveau des parkings et des espaces verts de les travailler pour y planter et redonner effectivement cet équilibre nature-bâtiment. Donc le but effectivement en termes d'agenda est de faire sur 2021 et 2022, puisqu'on a il y a une grosse année on va dire avec les délais d'instruction d'autorisation d'installation classée à la préfecture. Donc 2021-2022 seraient les phases administratives et d'échange avec l'ensemble des autorités. Puis en 2023-2024 nous serions sur la réalisation des travaux, puisque nous estimons à une construction sur un peu plus d'un an. Le but, effectivement, est de faire de l'insertion sociale aussi. On n'en a pas parlé, mais effectivement, c'est important à la fois en exploitation, mais aussi en chantier, au niveau des entreprises, pour faire justement intégrer, bien entendu, des entreprises locales faire le chantier et avoir cette insertion sociale aussi à la fois sur la partie chantier et à la fois sur la partie exploitation. Je ne sais pas si ça s'affiche. Non, ça, il y a un petit bug. Sur la partie effectivement d'insertion et de nombre de personnes en phase chantier, nous aurons un effectif moyen de 40 personnes environ. Alors on aura des pics, hein, puisqu'on a des pics de personnes où on peut aller jusqu'à 100 personnes hein, sur le chantier. Puisqu'effectivement, comme Luc Papillon vous a expliqué, c'est 30 millions d'euros. Donc effectivement, il y a des gros ouvrages à faire sur une durée d'un an. Ça représente un peu plus de 150 000 heures de travail. Et en phase d'exploitation, c'est la création de 180 à 250 emplois à temps plein, avec des qualifications très variées. Ça va du cariste, effectivement, au manager aussi, à des cadres. Donc nous avons des qualifications. Tableau qui est intéressant peut-être, sur lesquels il est intéressant de revenir, sur les formations, juste après. Si tu... Voilà. Par contre, je l'ai vu. Il n'y est pas. Il bug. Il bug. Ouais, j'ai pas de... C'est dommage. Il y a tout qui s'affiche pas. En fait, c'est une page importante puisqu'on donne le profil d'emploi, le profil de formation qui est cherché, à peu près la répartition. Voilà, si on l'a. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, c'est un petit peu compliqué. Voilà, vous avez des caristes, chefs de quai, préparation de commandes, des responsables d'expédition et de livraison, des gestionnaires de stock, des acheteurs, des responsables logistiques, des directeurs de supply chain, des analystes logistiques, des personnes en SAV, du personnel qualifié en marketing, en métier du transport et des responsables aussi de maintenance. Enfin, nous avons aussi des nouveaux métiers liés à la mécanisation des entrepôts et aux nouveaux process, comme a pu vous expliquer Luc tout à l'heure. Donc nous avons aussi, par rapport à cette mécanisation, des responsables de maintenance, ce sont des nouveaux métiers. Et vous avez aussi une partie data, bien entendu. Donc au niveau des diplômes, vous avez effectivement les caristes. Là, nous sommes sur des formations de CAP et Bac Pro. Mais après, vous avez des Bac plus 2, des Bac plus 5, avec des écoles d'ingénieurs hein, au niveau des acheteurs.
Bac plus 6 même au niveau des prévisions de vente. Donc il y a même des ingénieurs effectivement sur les nouveaux métiers logistiques. Donc on a vraiment du personnel avec des formations et des qualifications très différentes en fonction justement des besoins de l'entreprise. Voilà, donc ça venait illustrer le qu'on propose sur le fait que ces bâtiments deviennent des usines véritablement. Et donc comme dans une usine, il y a une expertise qui est recherchée sur différents métiers. Et donc il y a des profils très différents qui viennent, de gens qui viennent sur ces sites désormais. Voilà. Oh, ça c'était le calendrier que tout à l'heure. Voilà. Nous vous remercions. Voilà, donc il faut anticiper, préparer les dossiers. C'est un travail et un investissement déjà important de bureau d'études. On travaille avec plusieurs administrations, dont celle de la préfecture, évidemment. Bien sûr, avec vous, si vous en êtes d'accord, pour obtenir, comme l'a dit François, une autorisation de permis de construire, en plus et en parallèle d'une autorisation d'exploiter le futur immeuble. Je crois. Bien, écoutez, merci déjà pour cet exposé, Monsieur Papillon. Merci, Monsieur de la Serre. On va ouvrir la discussion. Moi, ce que je voudrais, c'est d'abord vous remercier d'être là, vous remercier de l'intérêt que vous portez à notre territoire. Cet investissement, c'est de l'emploi pour la construction du bâtiment. C'est de l'emploi après sa construction. Ces 16 métiers, on vient de le voir, qui vont être concernés. Ça contribue au fait que notre souci de formation eh bien, vous accompagne, puisque quand on veut former des futurs salariés, il faut bien qu'il y ait des débouchés. Ça permettra pour l'emploi local et la population d'avoir des débouchés. Et puis, très nettement, je crois que Dominique partagera mon point de vue, c'est que par rapport à notre premier contact, vous avez bien compris notre souci de l'impact environnemental. Vous êtes dans une zone à vocation industrielle. Elle n'a pas été décidée pour vous, mais ça fait déjà des années. Et par rapport au bâtiment d'à côté, si je puis dire, on verra déjà la différence par ce souci de l'environnement que vous nous présentez ce soir. Personnellement, j'y attache de l'importance et je crois que vous nous avez compris. Et c'est pas simplement une écoute que vous avez réservée, c'est une prise en compte très sérieusement, puisque le projet s'insère dans le paysage et prend en compte cette problématique, ce souci qui est le nôtre en tant qu'élu, que ce soit dans nos décisions municipales ou intercommunales, d'avoir ce souci dans nos investissements, de la situation actuelle environnementale et puis cette préoccupation. Donc je voulais personnellement vous remercier. Merci à vous. Bien, écoutez, maintenant je pense qu'il est le temps de passer aux échanges. Donc n'hésitez pas à venir en questionnement. Et donc, Monsieur Papillon nous répondra donc sur des questions que vous pourriez avoir les uns et les autres. Vous avez la parole. S'il vous plaît. Donc plusieurs questions. Donc pour rebondir sur ce que M. Huneau indiquait par rapport à ces deux aux intérêts qu'il portait au projet, donc concernant l'emploi et concernant l'environnement ou la protection de l'environnement. Donc sur le premier sujet, l'emploi, c'est vrai que c'est intéressant parce qu'il y a cette création d'emplois et ce projet de création d'emplois, bien évidemment, avec des emplois qui se spécialisent et qui se bonifient et qui se qualifient, entre guillemets, très bien. Donc c'est pas simplement des emplois de cariste ou de manutentionnaire, hein, donc c'est aussi des emplois qualifiés. Maintenant, on est dans un environnement, sur cette route Nantes-Rennes, où il y a quand même aujourd'hui de plus en plus de plateformes ou de projets, en tout cas de plateformes, voire de plateformes existantes.
Et ça veut dire que du côté de l'emploi, il y a un risque de concurrence entre les bassins d'emploi et des bassins d'emploi qui sont proches et sur le même type d'emploi. Quand on regarde sur Pôle emploi les emplois qui sont proposés dans le domaine de la logistique, alors c'est vraiment du tout venant, hein, donc selon les évaluations Pôle emploi, on était autour de 600 offres sur un secteur de 30 km autour de Derval. 600 offres disponibles. Alors il y a de tout, hein, sûrement, dans ces offres-là. Mais ça veut dire que d'ores et déjà, on est sur un secteur d'activité, la logistique au sens large, qui offre déjà beaucoup d'emplois et donc qui risque peut-être, ou il risque peut-être d'y avoir une forme de concurrence entre les différents emplois et donc des nécessités de qualifier, de former, etc., et d'anticiper très nettement sur les propositions qui nous sont faites aujourd'hui. Et la question que je voulais poser à, même si c'est pas vous le logisticien, vous êtes promoteur immobilier, mais quelle est votre implication dans cette évolution des emplois, dans la prise en charge des aspects formation, dans la prise en charge de l'anticipation par rapport aux besoins d'emploi? Est-ce que vous avez une implication sur ce domaine? C'est une très bonne remarque. Je vais tenter d'y répondre. On n'est pas impliqué directement dans la formation. On ne fait pas de formation. En revanche, si on veut, et c'est vous qui allez vendre le projet à la future entreprise pour venir sur votre territoire, il faudra effectivement qu'on ait ensemble coordonné une formation pour anticiper les besoins de ce site futur. C'est un travail évidemment avec des professionnels, Pôle emploi en premier lieu pour coordonner, mais vous aussi élus pour trouver à un moment donné une dynamique de filière sur ces nouveaux métiers de la logistique. Peut-être pour compléter sur cette idée d'anticiper la formation, à travers à la fois le label pour la communauté de communes Châteaubriant d'Herval. Et c'est un label qui a été donné pour l'ensemble du territoire avec le CNAM. Nous développons dès le mois de septembre une licence 3 vente marketing commerce. Et vous avez évoqué dans les profils d'emploi du bac plus 3, bac plus 4 sur le marketing. Eh bien, nous allons avoir nous avons donc anticipé sur ces futurs emplois. Dans le cadre aussi pour l'année prochaine, en septembre 2022, nous aurons l'ouverture du centre départemental Greta CFA et qui va particulièrement développer l'aspect de logistique. Cet aspect logistique nous avait été présenté au conseil communautaire l'année dernière lorsque les responsables du Greta étaient venus, et c'était l'axe qu'ils voulaient développer. Donc on a cette anticipation, et puis également à travers Campus Connecté, vous l'avez évoqué, il y a besoin de profils de bac plus 5, bac plus 6. Campus Connecté permettra d'avoir cet accompagnement. Je précise aussi que Campus Connecté ne fait pas que de la formation initiale, c'est aussi une possibilité pour nos salariés du territoire de monter en compétences et donc de se projeter sur les offres d'emploi que vous nous présentez aujourd'hui. Donc nous avons les structures pour accompagner ces futures propositions d'emploi. Si je peux me permettre aussi en complément, tout ça aussi s'inscrit dans la dynamique du programme Territoire d'industrie, où là, effectivement, on travaille aussi de concert avec nos amis donc, de la Compa sur tous ces sujets, et notamment sur tous ces sujets de formation. Ça me semblait, bien sûr, hein, tous ces éléments-là sont justes, mais ça me semblait intéressant que l'entreprise Pitch Promotion, donc, puisque son métier, c'est de construire des bâtiments et peut-être de se spécialiser, si j'ai bien compris, puisque vous avez parlé de maillage, hein, donc du territoire dans le domaine de la logistique, et de vous inscrire
dans ce maillage. Donc ça me semblait important que, de solliciter Pitch Promotion pour savoir s'ils s'intéressaient de près à la question de l'emploi et s'ils allaient y contribuer d'une manière ou d'une autre. Donc voilà, c'était ça le sens de la question. Sur l'aspect environnement, alors vous avez répondu sur l'aspect construction du bâtiment qui est dans la présentation, donc qui respecte les nouvelles normes, etc., qui prend des précautions donc dans la construction. Mais il y a un aspect que vous n'avez pas évoqué, c'est que ces entreprises de logistique donc font rouler aussi beaucoup de camions. Donc avec une fréquence importante de camions, donc des effets sur les voiries, sur les routes, sur l'entretien des routes, sur la sécurité aussi. Quel est votre point de vue sur cet aspect-là? Comment vous soutenez les collectivités pour ces aspects de voirie, mise en sécurité routière? Je voudrais faire plusieurs remarques. Ce soir, j'ai trouvé une présentation très complète. Les mesures environnementales, on l'a dit, je ne vais pas le répéter, mais j'ai vraiment le sentiment que tout est bien pris en compte. S'il reste le problème des routes, moi, ce que j'ai entendu, c'est que c'est un bâtiment qui va être placé stratégiquement entre Nantes et Rennes. Et donc, on a parlé un peu de circuit court, si on peut se permettre ça, mais... Donc je pense que si on implante comme ça entre des grandes villes comme Nantes et Rennes, c'est aussi... De toute façon, si ce n'est pas là, la circulation entre Nantes et Rennes se fait. Donc je pense que c'est un point... C'est vraiment stratégique de le placer sur cette zone. Et puis en termes d'emploi, je me posais la question, nous, les communes, les petites communes, je pense que ça va être l'occasion de se lancer pour accueillir une nouvelle population. On en a besoin. Donc c'est quand même une grande chance d'avoir autant d'emplois à la clé, à mon avis. Et voilà, donc c'était une remarque que je voulais faire. Je ne sais pas si, en termes de route, je trouve que Derval est idéalement placé pour recevoir ce type de plateforme. Alors peut-être je vais compléter ce qui a été dit en disant que on est venu sur ce territoire parce que vous avez sanctuarisé un espace pour le développement économique depuis longtemps. On a vu que certaines activités logistiques étaient déjà implantées, avec des groupes comme celui de Saint-Gobain, notamment. On a vu aussi qu'il y avait des infrastructures qui étaient dimensionnées pour pouvoir correspondre au flux de passage sur la zone d'activité en toute sécurité de camions. Donc finalement, le flux, il existe. On va juste capter une toute petite partie de ce flux pour pouvoir rééquilibrer et optimiser des transports. Parce que l'enjeu de cette plateforme, selon nous, et d'après nos études, sur des calculs avec des études de supply chain et de distribution, c'est de minimiser le nombre de transports et de mutualiser ces transports de façon plus intelligente grâce à l'utilisation des data. Donc c'est ça l'enjeu du métier de demain, pour que la distribution des marchandises soit un élément de création de valeur, il faut apporter cette réflexion, il faut des outils pour ça, mais il faut aussi des plateformes qui soient correctement implantées. Et c'est tout l'enjeu de ces 5 ou 10 prochaines années. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, vous voyez arriver sur votre territoire des choses qui n'existaient pas, en tout cas pas en si grand nombre, il y a 10 ans. Donc l'enjeu, c'est d'équiper en fait ça de façon intelligente, pour répondre, et pérenne, hein, pour répondre aux objectifs de distribution des marchandises les plus optimisés possibles en termes de transport. L'enjeu aujourd'hui économique, il est moins sur la fabrication aujourd'hui que sur la distribution des marchandises. Merci. Donc c'est un enjeu stratégique. J'ai encore une ou deux autres questions sur... vos locataires, entre guillemets, oui. Quels sont-ils? Donc, puisque vous avez parlé de logistique B2B ou B2C, hein, donc on a eu cette expression-là là, lors du dernier conseil communautaire. Donc, quels sont vos locataires et d'ores et déjà, est-ce que vous avez
un ou deux locataires vraiment ciblés avec de fortes chances que ce soit eux qui soient choisis. Oui, c'est effectivement une bonne question. Donc, qui sont nos locataires? On pourra éventuellement vendre si on prend un utilisateur qui prend la totalité du site. Donc, ce sont d'abord des industriels qui gèrent en interne leur distribution de marchandises. Vient juste après la grande distribution, les distributeurs spécialisés, autrement dit des gens sur l'alimentaire, mais aussi sur des gens sur des produits industriels, lesquels s'appuient sur des distributeurs, sur des logisticiens qui sont des sociétés spécialisées pour organiser la distribution, avec des transporteurs. Et donc c'est ce petit écosystème qui vient s'implanter aujourd'hui sur ces plateformes. Donc vous répondre, c'est plus ça, ou plus ça, ou plus ça, aujourd'hui, je ne sais pas vous répondre. Pour tenter d'être plus... Pour illustrer ce que je viens de dire, on a tous en tête l'image du technocentre de Renault, à Saint-Quentin-en-Yvelines, sur lequel, aujourd'hui, vous trouvez, bien sûr, des gens de Renault, importants, mais vous trouvez aussi beaucoup, beaucoup de sous-traitants, bureaux d'études, qui viennent sur cette plateforme à Saint-Quentin pour travailler. Donc c'est ça le métier de demain. Donc c'est pas juste je viens avec Nestlé qui vient tout seul, c'est plus, s'il y a par hasard Nestlé, je pense que ce serait une très bonne nouvelle pour vous, eh bien c'est l'ensemble de cet écosystème de logisticiens, de transporteurs, de gens qui vont faire de la data, des gens qui vont travailler sur la maintenance, à l'exploitation et l'organisation d'opérations marketing sur ce site. Et ils n'appartiennent pas forcément et nécessairement à Nestlé. Et c'est ça qu'on peut retrouver aujourd'hui et que je pourrais vous proposer de visiter sur des opérations qu'on a réalisées récemment. Ce qui m'a surpris dans votre expression tout à l'heure, c'est que vous avez dit qu'on cherchera ensemble. Donc par oui, rapport... Oui, ouais. Alors il y a une petite page qui n'a pas été présentée. Et qui me tient aussi très à cœur, c'est la gouvernance de ce projet. Donc évidemment, on ne va pas imposer un utilisateur tout seul. On a convenu d'ores et déjà avec Monsieur le Président, le Vice-Président, d'échanger régulièrement, de façon discrète, dans un premier temps, parce que vous savez que les entreprises n'ont pas le droit de communiquer sans passer par les instances sociales du personnel, dans un premier temps. Leurs recherches ou leurs projets, mais c'est d'évoquer de façon régulière avec vous, dès que les projets commencent à prendre corps, que les réflexions partent d'un vrai cahier des charges, par exemple. Je pense que c'est un bon moment pour échanger, de commencer à travailler, de vous associer à la préparation de la réponse, parce que finalement, quand quelqu'un vient sur un immeuble, voilà, c'est le slide que je vous présente. Quand quelqu'un vient sur un immeuble, il vient pas tellement, il vient plus sur un site. Alors évidemment, la construction, la qualité du bâtiment, les équipements, le fait que le bâtiment soit conforme aux dernières réglementations de sécurité, de sûreté, tout ça, ça compte beaucoup. Mais en fait, il vient parce qu'il est accueilli, parce que l'infrastructure est efficace, parce que le bassin d'emploi et le personnel qu'il va rechercher peut-être formé, et là, pour partie, c'est ça qu'ils vont venir chercher. Et c'est pas moi qui vais convaincre dans ces cas-là, vous le savez bien, c'est vous qui allez convaincre. Donc si je suis là aussi ce soir, c'est de dire, c'est un projet qui va vous appartenir. Moi, je vais juste exécuter, financer, gérer, prendre le risque, mais c'est vous qui allez vouloir ce projet. Et je vous dis simplement ce soir que véritablement, je suis convaincu que c'est pertinent. Voilà. Et que si vous ne le faites pas là, il sera juste à côté. Parce qu'il y a une concurrence entre les territoires, que vous subissez déjà, puisque vous parliez de camions, le passage de camions sur cette infrastructure, mais qui est nécessaire aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas d'alternative au transport routier pour innerver toute la Bretagne. Merci. Excusez-moi, moi aussi j'ai une question. Je m'interroge sur ces grands pôles logistiques qui se créent et je me,
Je me demande si c'est vraiment une nouvelle activité ou si c'est une concentration d'autres activités logistiques, puisque maintenant les pôles ils sont vraiment devenus très grands. Est-ce que c'est une activité complètement nouvelle ou est-ce que c'est une concentration d'activités qui sont un peu éparpillées dans d'autres endroits ? D'activités logistiques, s'entend. Alors, en fait, il y a une réflexion sur des calculs de barycentre avec des directeurs de supply chain. Il y a quelques années, ces opérations étaient pilotées par les directeurs immobiliers des grands groupes. Et comme je vous l'ai dit, avec l'influence et la complexité des outils ou la force des outils de data, on arrive à réfléchir, à optimiser, mutualiser de façon de plus en plus fine les besoins. Et dans ce cadre-là, pour encore une fois trouver une illustration concrète, eh bien nous avons placé à Grandchamp des Fontaines, il y a une petite année, le traitement logistique, enfin les activités de traitement logistique de tous les retours de Lidl. Ces activités, elles devaient initialement venir au nord-ouest de l'Île-de-France, à Cergy-Pontoise, sur la commune de Puiseux. Et les études avec les bureaux supply chain ont démontré qu'en fait, une localisation autour de Nantes serait optimum. Optimum en termes d'efficacité et aussi quantifiable en termes financiers. Et c'est comme ça que le site de Grandchamp, qui était a priori pas placé sur un hub logistique, comme peuvent l'être un aéroport, un port, ou juste le carrefour de quatre autoroutes, ont montré que c'était pertinent. Et donc, cette société a validé le site très vite. Est-ce que j'ai répondu à votre question, monsieur ? En partie. Ah. Non, mais je suis pas un spécialiste, hein, encore une fois, donc je me pose les questions, parce qu'effectivement, je suis un petit peu comme tout le monde. Je m'aperçois qu'il y a de plus en plus de grands centres logistiques. On envoyait des petits avant. Alors, est-ce que les petits vont fermer pour ce soient les plus grands qui existent ? Alors, dans votre question, il y a deux points, je pense. C'est la taille des bâtiments. Voilà. Donc là, ça rejoint aussi la remarque de monsieur tout à l'heure. Le sujet, c'est d'arriver à mutualiser, à moins consommer, à faire moins de navettes de camions. Et il faut des unités assez grandes aujourd'hui pour trouver ce point d'équilibre là-dessus. Donc c'est ce qui explique qu'en 10 ans, finalement, les bâtiments sont passés, en 20 ans, les bâtiments sont passés de 5000 mètres carrés à plus de 30 000 sur de nouvelles plateformes. Ça, c'est le premier point. Après, il y a l'obsolescence des bâtiments qui ont été construits dans le passé. Je vous l'ai dit que le parc immobilier n'était pas à niveau, en fait, non suffisamment. Donc, en fait, il y a un problème réglementaire, il y a un problème de sécurité. Donc, cette sécurité, c'est un point de vigilance de l'Adréal, très important. Mais pas seulement de l'Adréal, des assureurs qui viennent, qui portent le risque de ces bâtiments, hein. Voilà. Donc quand c'est mal organisé, que c'est pas sécurisé avec des installations, des dimensionnements d'installations correctement faits aujourd'hui, bah, c'est un vrai risque. Et donc les entreprises logistiques qui sont de plus en plus avec des cultures de sécurité très fortes, bah, finalement migrent de ces petits bâtiments vers des unités plus modernes, plus conformes et en tout cas respectueuses de la réglementation. Oui, Xavier. Oui, bah, tout d'abord, je voulais vous remercier de votre présentation. Donc, en fait, j'aurais deux questions. J'en aurais une plus qui s'adresse à Pitch Immobilier et puis une plus à notre assemblée. Après, BT Immo qui va construire une plateforme de 71 000 m2, aujourd'hui, Pitch Immobilier propose une construction à 38 000 m2, ce qui nous fait un total de 109 000 m2. Pour faire un petit comparatif, la plateforme XXL de Montbert, c'est 185 000 m2. Donc on peut dire qu'on va avoir une plateforme XL au niveau de Derval. Donc je trouve ça plutôt bien, puisque au niveau pour le bassin de l'emploi, pour la connexion avec les routes sur l'axe de quatre voies, il semble que c'est le mieux placé.
Cependant, vous investissez 30 millions, donc vous avez fait un business plan, je n'en doute pas. Vous nous parlez de calcul de barycentre, de besoins et autres. Je suis toujours étonné qu'il y ait un petit peu ce manque de transparence sur les futurs utilisateurs de ces plateformes. C'est un premier point. Alors, je sais que certains noms américains font souvent peur et qu'on évite à tout prix de parler de... qu'est-ce qui va se faire, qu'est-ce qui va se créer et qui va venir. Donc je trouve ça un petit peu dommage parce qu'on se doute qu'avec le sérieux de votre présentation, vous avez fait des études et que derrière, vous avez déjà des noms de clients. Deuxième point qui s'adresse plutôt à notre assemblée, on artificialise une zone de 110 000 m². Je pense que dans la période que l'on vit, avec les contraintes écologiques qu'on doit aussi s'imposer, il faut de l'économie, mais il faut aussi de l'écologie. Donc il faudra peut-être que nos assemblées, elles compensent et qu'on puisse réfléchir sur des zones de friches industrielles ou autres à déartificialiser pour pouvoir retrouver une compensation neutre de notre impact sur l'écologie. Très bien. Alors, si vous permettez, je vais commencer la réponse. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis venu sur votre territoire parce que j'ai vu qu'il y avait une zone qui était sanctuarisée pour ça. Ça veut dire qu'elle est préparée. Donc ça, c'est un point important. Donc ça, c'est vous qui avez décidé qu'à cet endroit-là, il y aurait telle et telle activité. Après, notre architecte, pour compléter, vous a expliqué que nous étions très attentifs à l'économie du terrain. Et là, je vous donne une information nouvelle. Nous sommes d'accord, ces bâtiments sont amenés à exister pendant une durée de 30 ans environ et qui vont évoluer en fonction des modes d'exploitation. Donc on prévoit déjà une certaine réversibilité. Le principe de construction, il est par contre très intéressant puisque c'est un principe de pré-construction pour l'essentiel. Donc ça veut dire que je vais pouvoir déconstruire l'immeuble. C'est-à-dire que l'immeuble qu'on va faire, il peut disparaître, on peut décider d'en faire autre chose et de conserver toujours la destination d'activité économique à ces terrains. Ça, c'est très important. Vous savez, je fais ce métier depuis longtemps. Moi aussi, je suis citoyen. Et je trouve que c'est une logique intéressante en termes d'économie de carbone. Hein, ça se mesure aussi. En termes de bon sens aussi. Et donc, c'est un point intéressant. Voilà. Et qu'on partagera et qu'on mesurera avec vous. Pour regarder comment ça se passe. Après, vous avez fait l'analyse qu'il y avait un autre projet dont nous sommes informés, bien évidemment, de 70 000 mètres. Et, comment dire, je trouve que c'est plutôt pertinent. C'est comme dans une rue commerçante un peu étoffée. Souvent, vous avez plusieurs magasins du même commerce. Vous avez souvent plusieurs bouchers. Ça marche comme ça aussi, les gens sont assez grégaires. Je vous ai parlé de mutualisation, donc en fait ça va permettre à un moment donné de renforcer la mutualisation des transports par exemple, qui est le point à l'impact le plus dur dans cette activité. Donc ça me paraît plutôt un critère qui va, comment dirais-je, qui rend le développement de notre projet en complément intelligent pour moi. Vous êtes parvenu sur le point des futurs utilisateurs, qu'ils soient multiples. Les futurs utilisateurs, voilà. Alors, donc ça, c'est pas tabou du tout. En revanche, premier point, quand un industriel ou un grand distributeur ou un distributeur spécialisé réfléchit à réorganiser sa supply chain, ça prend un petit peu de temps. C'est de l'ordre de 3-4 ans. Et la partie immobilière, c'est vraiment souvent qu'on a constaté, la dernière roue du carrosse. Il y a finalement assez peu d'anticipation sur ce point-là de leur projet. Ils considèrent que ça va de soi. Et ma raison d'être, c'est d'arriver à préparer ces sites, préparer des projets clés en main, enfin des projets pour pouvoir répondre de façon clé en main aux demandes de ses clients. Comme on vous l'a dit, ça va prendre entre un an et demi et deux ans pour obtenir les autorisations administratives. Et qu'aujourd'hui, en France, comme partout en Europe, aucun industriel
ne prendra le risque de s'engager sur un projet qui n'a pas des autorisations obtenues et une maîtrise foncière et un environnement qui soit totalement sécurisé du point de vue juridique et administratif. Donc c'est aussi une partie de mon rôle. Et c'est qu'à ce moment-là qu'on arrive à avoir une démarche proactive avec nos futurs clients. Encore une fois, ces clients, ils ne veulent pas du tout, c'est pas qu'ils ne se cachent pas, c'est qu'au titre de la loi, ils ne peuvent pas aujourd'hui dire « je vais venir là ». C'est un risque de délit d'entrave et c'est du pénal pour le dirigeant de l'entreprise qui dirait « je viens tout d'un coup à Derval » sans avoir consulté au préalable les instances du personnel. Il y a un processus, c'est la loi. Donc c'est la raison pour laquelle, en tant que citoyen, vous avez l'impression que les choses arrivent de façon soudaine, tardive, en information, mais c'est la loi, c'est comme ça que ça s'est organisé. J'ai deviné à travers vos mots les sujets Amazon, etc. Ça n'est pas du tout... je ne suis pas un cheval de Troie pour Amazon, rassurez-vous. J'ai d'ailleurs pas Amazon dans mes clients aujourd'hui. Je trouve que c'est une entreprise très très bien organisée. Je regrette simplement qu'on n'ait pas été capable en France d'imaginer la même chose. Est-ce que j'ai répondu à votre demande ? Oui, oui, merci, c'était très bien. Puis peut-être que Monsieur le Président pourra nous faire un point sur le zéro artificialisation et les compensations. Très cher Monsieur le Conseiller, Monsieur le Président a essayé de répondre. Non, François-Xavier, je pense qu'il faut être raisonnable. L'artificialisation, c'est une préoccupation, c'est un slogan, mais il faut parler de réalité économique. Est-ce que hier on a décidé tous ensemble de transformer des champs en 10 hectares de champs pour accueillir ce soir M. Papillon pour pitch promotion? Bien sûr que non. Ça a été fléché il y a plusieurs années. On a débattu, on a un SCOT, on a des zones ciblées d'activité. Donc on est là. Pourquoi on est élu? On pourrait philosopher là-dessus sur cette question. Je pense que quand on est élu, c'est pour apporter quelque chose aux autres. Et apporter quelque chose aux autres, c'est aussi d'apporter de l'emploi. Combien de jeunes sont attachés à leur territoire et qui ont dû le quitter? Vous savez, moi, je retiendrai une phrase, celle du directeur départemental du Greta. Le Castelbriantais, le territoire Castelbriantais, c'est le territoire où on a constaté de très loin, et c'est marquant pour nous, l'attachement des jeunes à y rester et à y travailler. Donc moi, je suis satisfait qu'on puisse présenter à la population, aux jeunes, des perspectives d'avenir et des perspectives aussi qualifiantes avec des nouveaux métiers, les 16 métiers qu'on a vus tout à l'heure. Comme par hasard, on a pris tous ensemble la décision, c'est cette opportunité que je voulais qu'on saisisse d'Acier Plus, on a pris tous ensemble la décision de cette formation avec le Greta, et depuis qu'on l'a pris, je ne dis pas que c'est ça qui a déclenché la venue de BT Immo ou de Pitch Promotion, on se rend bien compte que les métiers de la logistique dont a parlé Catherine tout à l'heure, eh bien, c'est aussi une préoccupation des chefs d'entreprise. Alors, c'est vrai qu'il y a 10 hectares qui sont utilisés. L'autre jour, c'était 14, ça doit faire 24. 24, mais on a 87 700 hectares sur notre territoire intercommunal. Alors, vous faites le ratio, 25 d'un côté, 87 700 de l'autre. C'est pas ça qui devrait porter atteinte à l'environnement. Ça va surtout nous permettre d'avoir un territoire qui, justement, a cet équilibre entre ces centaines, non pas d'exploitations agricoles, moi je les appelle des entreprises agricoles. Et vous savez très bien notre attachement à tous ici, on ne va pas en faire le bilan ce soir, mais on a une action très forte pour bien montrer l'importance du tissu agricole et de ces entreprises qui doivent être au nombre de plus de 700 sur notre territoire. Donc, l'argument d'artificialisation des sols, peut-être sur d'autres projets, dans d'autres intercos, d'autres communes, mais ce soir, sur cette zone d'activité fléchée depuis longtemps, adoptée à l'unanimité dans un SCOT qu'on a tous travaillé et qu'on va retravailler d'ailleurs, je pense que ce n'est pas forcément un argument.
En fait, je suis totalement d'accord avec vous sur la question du bassin d'emploi, le fléchage, et puis il faudra admettre que ce seront des nouvelles ressources financières pour notre collectivité, donc ça nous permettra derrière de travailler sur d'autres projets et de développer autre chose. Après, ce n'est pas non plus la question d'être un ayatollah de l'environnement et de dire on a touché un hectare et c'est grave, mais je pense qu'il faut aussi de temps en temps essayer de se forcer. On a pas mal dans nos deux petites communes sur le territoire de petites friches industrielles ou autres. Et puis quand on gagne d'un côté, il faut essayer aussi de travailler sur ces problématiques de friches et de renaturalisation de certains espaces. Je pense que c'est essayer d'avoir une compensation, c'est des choses qu'il faut essayer de mettre dans l'ensemble de nos politiques aujourd'hui. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres interventions ? Sinon, donc avant de passer en fait au vote, nous allons raccompagner nos invités. Je vous remercie de votre attention. Merci.
Alain, est-ce que je peux prendre la parole 2 minutes? Alors, avec Martine, on est obligé de vous quitter parce qu'on a notre conseil municipal. Et moi, je demande à donner mon pouvoir à Michel Poupard et Martine à Catherine. Est-ce que c'est possible? Oui, tout est possible et bon conseil. Désolé, mais on a scindé ce conseil déjà en deux pour qu'il soit moins long que le dernier. Mais c'était important, même si ça a pris du temps, qu'on écoute les responsables. Donc merci d'avoir commencé ta soirée ici et bon conseil. Et merci pour hier. Bien, donc nous allons pouvoir donc passer à la décision de cette délibération donc 057. Donc compte tenu de ce qui... Pardon ? Ah, pardon, excusez-moi. Parce que c'était la suspension de séance et donc là l'idée c'était de poser des questions à l'investisseur, mais bon, ça n'empêche pas qu'on a peut-être des choses à se dire entre nous quand même avant de passer au vote. Hein. Et alors, je sais pas si. Ouais, moi je vais parler librement en tout cas sur l'impression que le groupe Pitch a laissé, enfin que ses représentants du groupe ont laissé. Ça me semble. En comparaison, si on peut comparer, en comparaison avec la présentation qu'on avait eue de BT Production ou BT Immobilier, ça me semble être une présentation d'une meilleure qualité, si je peux m'exprimer ainsi, et sur des aspects qui sont importants, sur des aspects de qualité environnementale du bâtiment, de l'aspect qu'ils ont mis en évidence sur la production d'énergie à partir de l'utilisation des panneaux solaires sur les toits. Donc, ça me fait penser qu'on n'avait pas évoqué cette possibilité de produire de l'énergie donc à partir des toits. Donc, est-ce que c'est encore possible de discuter de cette possibilité avec BT Immobilier? Ça, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est des aspects qui me semblent importants. Ça me semble aussi plus intéressant du côté implication dans la filière emploi. Donc, je trouve qu'il y a des engagements qui, en tout cas dans l'expression qui a été donnée, des engagements qui me semblent plus précis, plus participatifs, plus collaboratifs, je dirais. Donc, voilà, c'était tout simplement ça que je voulais exprimer. Ok, merci de cette analyse. Dominique, oui. Je voudrais dire un mot également. Monsieur Papillon, tout à l'heure, nous a fait toucher du doigt la question de la concurrence entre les territoires. Et je pense que quand on a l'opportunité d'avoir des projets comme cela, avec la situation que l'on connaît dans le domaine de l'emploi, dans le domaine de l'aménagement du territoire, si on laisse passer des opportunités comme celle-là, elles vont aller ailleurs. Ils vont aller s'implanter ailleurs. Et ce sera autant de pertes de perspectives pour en particulier les jeunes de notre territoire. Et à travers les activités que l'on a par ailleurs, on sait ce que ça signifie. Donc je pense que c'est aussi des éléments importants qu'il faut que l'on ait à l'esprit dans la réflexion et dans la décision que nous avons à prendre. J'oubliais la réversibilité de la construction. Et donc ça aussi, ce n'est pas un élément qu'on a eu avec BT Promotion. Donc est-ce que ça fait partie des choses à discuter avec eux après? BT IMO, c'était un contexte plus rapide, mais on a eu des garanties. Ce que je peux vous dire, c'est que s'ils sont là ce soir, ce n'est pas par hasard non plus qu'il y a eu des discussions. Je confirme ce que disait Philippe, personne ne nous attend. C'est des opportunités qu'il faut saisir. C'est le job de ceux à qui vous avez donné votre confiance. Et moi, personnellement, je suis content qu'ils soient là. Et surtout qu'ils aient entendu notre souci environnemental. Et effectivement, dans toutes les premières rencontres que nous avons eues, aussi bien avec BT Immo qu'avec Pitch Promotion, c'est exactement les points sur lesquels nous avons insisté, aussi bien donc Romain Priou donc du pôle économique que moi-même, et donc vraiment ils étaient en fait à l'écoute de tout ça, et en fait ils étaient effectivement dans cette dynamique d'aborder effectivement sous cet angle-là, et d'ailleurs ils s'en étaient exprimés tout de suite quoi.
Bien, donc je vous propose de passer donc au vote. Donc compte tenu de ce qui précède, le Conseil communautaire décide d'approuver la cession au profit de la société Pitch Promotion ou toute autre personne physique ou morale qui s'y substituerait des parcelles XW numéro 152 et XW numéro 153 d'une superficie globale d'environ 95 000 m² sur la commune de Derval, frais d'ac et taxes à la charge de l'acquéreur. De valider le prix de cession de la dite parcelle à 20 euros hors taxe le mètre carré et d'autoriser Monsieur le Président ou Monsieur le Vice-président délégué à signer tous les documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Acte à venir. Qui s'abstient ? Qui vote contre ? Je vous remercie. Adopté à l'unanimité. Nous allons passer donc à la délibération 58. Qui concerne une cession d'une parcelle à la société MTM Transport Malgogne, parc d'activité des estuaires à Derval. Donc la société MTM Transport Malgogne a sollicité de la communauté de communes par courrier en date du 11 juin 2021 pour acquérir une parcelle située sur le parc des activités des estuaires à Derval. Cette parcelle cadastrée XX numéro 81 d'une superficie d'environ 26 000 m² permettrait notamment à l'entreprise d'aménager un parking spécifique poids lourd et d'édifier un bâtiment logistique d'environ 5 000 m². Le service des domaines a estimé la valeur vénale à 20 euros le mètre carré par courrier en date du 19 janvier 2021. Afin de permettre la réalisation de ce projet, il vous est proposé de procéder à la cession de la dite parcelle d'une superficie d'environ 26 000 m² au prix de 20 euros hors taxe le mètre carré. La signature de l'acte ou du compromis de vente devra être réalisée dans les 6 mois suivant la décision du Conseil communautaire. Passé ce délai, la délibération sera considérée comme caduque. Ce dossier est examiné également lors de la Commission Finances, Économie, Emploi et Formation et Chambre consulaire réunie le 16 juin dernier. Y a-t-il des remarques sur le sujet ? Oui, j'ai une question sur... sur la voirie concernant cet espace-là. Est-ce qu'elle permet le passage des camions ? Je ne sais pas, je ne suis jamais allé dans cette, oui. Dans cette zone, tout simplement. Est-ce qu'elle permet le passage des camions, le trafic de camions et de poids lourds ? Est-ce qu'il faut apporter des modifications ou des sécurisations ? Donc, en fait, l'implantation de cette parcelle, effectivement, est desservie déjà par un axe routier qui permet effectivement, le passage de camions. Et d'ailleurs, nous avons déjà sur ce secteur-là des entreprises qui empruntent avec leurs camions cette zone. A-t-il d'autres remarques ? Écoutez, je vous propose de passer au vote. Personnellement, je ne participerai pas au vote. OK. Alors, compte tenu de ce qui précède, le Conseil communautaire décide d'approuver la cession au profit de la société MTM Transport Malgogne ou toute autre personne physique ou morale qui s'y substituerait, la parcelle XX numéro 81 sur la commune de Derval, frais d'acte et taxes à la charge de l'acquéreur, de valider le prix de cession de la dite parcelle à 20 euros hors taxe mètre carré et d'autoriser Monsieur le Président ou Monsieur le Vice-président délégué à signer tous les documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Acte à venir. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Merci. Adopté à l'unanimité. Délibération numéro 59. Qui concerne l'accompagnement de Loire-Atlantique Développement pour la création et l'aménagement de zones d'activité. Donc la communauté de communes a mis au cœur de sa politique le développement économique. La collectivité enregistre depuis plusieurs mois une croissance des demandes d'implantation d'entreprises et accompagne de nouveaux investissements industriels porteurs d'emplois. Les zones d'activité structurantes regroupées autour des deux polarités de Châteaubriant et de Derval constituent une offre stratégique pour le développement futur. Elles voient aujourd'hui leur capacité d'accueil fortement réduite du fait de cette dynamique économique exceptionnelle et des cessions réalisées au cours des derniers mois. Compte tenu de ces enjeux, la communauté de communes actionnaire de Loire-Atlantique Développement SPL souhaite bénéficier d'un accompagnement et de l'expertise de l'agence dans sa réflexion et dans la faisabilité des projets de création et de développement de zones d'activité. Agence d'ingénierie publique, Loire-Atlantique Développement mobilise ses équipes d'experts et ses savoir-faire pour conseiller, concevoir, mettre en œuvre et réaliser des projets en faveur du cadre et de la qualité de vie des habitants de tous les territoires du département.
L'agence déploie notamment une approche globale, prospective et opérationnelle dans les secteurs de l'aménagement et la construction, de l'architecture et de l'urbanisme. La communauté de communes cible notamment la commune de Gens pour développer une nouvelle offre d'accueil aux entreprises. En effet, 44 hectares bénéficient actuellement d'un zonage à vocation économique dans le plan local d'urbanisme qui s'inscrivent dans une dynamique existante le long de la RN 137 entre Nantes et Rennes, dans la continuité du parc des estuaires de Derval. Un mandat d'étude préopérationnel serait alors confié à Loire-Atlantique Développement SPL pour définir la programmation du CID, programme des équipements publics et des constructions, le bilan financier prévisionnel, les modalités opérationnelles de réalisation du projet. L'instruction de ces dossiers nécessitera la réalisation d'études préalables, essentielles pour l'obtention ultérieure des autorisations administratives, comme par exemple un inventaire environnemental du site zone humide, faune et flore. Il appartiendra ensuite à la communauté de communes de décider des conditions de faisabilité du projet, périmètre, programme et bilan financier prévisionnel, des procédures à mettre en œuvre, ZAC, permis d'aménager, et de son mode de réalisation, régie ou concession d'aménagement. Ce mandat serait complété par une étude de faisabilité de densification et d'extension des parcs d'activité des estuaires à Derval et du Bignon à Herbray. Cette approche permettrait ainsi de préciser la stratégie de développement économique au regard du foncier réellement disponible et d'asseoir ainsi la justification des prochaines ouvertures à l'urbanisation. Ce dossier est examiné lors de la commission Finances, Économie, Emploi, Formation et Chambre consulaire réunie le 16 juin dernier. Y a-t-il des remarques ? Si vous permettez, oui. Non. Allez-y. Non, juste pour dire que c'était une excellente proposition que de commencer à réfléchir à l'avenir et de le réfléchir avec Loire-Atlantique Développement. J'aurais envie d'ajouter dans le mandat d'études préopérationnelles, vous avez parlé de stratégie de développement, mais peut-être de stratégie d'accueil. Pour aller aussi dans le sens de la densification absolument nécessaire, de la préservation des terres agricoles, il faut aussi qu'on s'interroge sur quel type d'entreprise, quel type d'activité. Et donc, ce serait intéressant que le mandat confié à Loire-Atlantique Développement puisse aborder ces questions. Parce qu'on a vu tout à l'heure qu'il y a des activités qui sont consommatrices de terres et donc qui peuvent aussi empêcher par ailleurs des extensions, des agrandissements d'entreprises existantes sur le territoire ou proche du territoire. Et ce serait dommage de passer aussi à côté de possibilités d'offrir des réponses à ces entreprises. Donc je crois qu'il faut qu'on parle aussi de stratégie d'accueil, de type d'activité qui puisse être accueillie sur ce secteur. Je voulais compléter, si vous permettez, par la nécessité de cette délibération, au motif que vous avez pas mal de petits projets actuellement, des petits eu égard aux 10 hectares qu'on vient de vendre, mais qui sont déjà très importants si on les cumule. La problématique, c'est que l'offre, elle est de plus en plus réduite. Là, ça va demander du temps. Et il faut que certains patientent, mais sachent d'ores et déjà notre volonté à leur permettre de se développer sur le territoire et qu'ils n'aillent pas ailleurs. Donc c'est vraiment une délibération importante. Je voudrais remercier Marie-Irène de nous avoir reçus à la mairie de Gens pour en discuter. C'était ciblé cette superficie déjà. On a le Bignon, mais au rythme où on va cette année, sachez que ça ne va pas être suffisant. Donc, il va falloir qu'on se mette au travail dans le cadre de la révision du SCOT qu'on va faire tous ensemble. Imaginez peut-être d'autres zones. Je pense à un axe qui existe maintenant entre Rennes et puis Angers, qui borde certaines communes ou notre territoire au nord-est. Et puis voir comment on va faire, mais il est absolument urgent aujourd'hui qu'on s'attelle à montrer aux décideurs, aux gens qui entreprennent, qu'ils aient 3 salariés, 10 ou 100, et bien que c'est une préoccupation pour nous d'avoir des zones pour les accueillir. Donc avec Loire-Atlantique Développement, on a déjà fait une réunion de travail pour d'abord savoir s'ils étaient partants. Et il faudra qu'on accélère tous ensemble le rythme pour accueillir ces entreprises. Est-ce qu'on parle d'emploi direct tout à l'heure ?
il ne faut pas oublier qu'il y a des emplois indirects. Donc si vous cumulez tous les emplois directs qu'on constate cette année, il va y avoir des conséquences positives. Encore faut-il qu'on ait de quoi accueillir tout le monde. Une proposition complémentaire qui serait que la commission économie puisse visiter les sites, les zones d'activité. Alors, je ne sais pas, il faut peut-être un jour louer un minibus et qu'on aille voir les différentes zones d'activité. Ouais, ça serait bien, ça. Alors, moi, je vous remercie parce que moi qui rêve d'un bus direct d'Herval, Châteaubriant par Lusanger, avec des boucles évidemment à Saint-Vincent, ça va accélérer notre. Parce qu'on met à l'étude deux lignes stratégiques du nord au sud, Rouget-La Migraie, et même par Fercé au départ, Alain, et aussi de la Chapelle-Clin à Derval. Mais c'est vrai que la commission, la prochaine fois, pourrait avoir pour objet, on peut réunir la commission uniquement pour une connaissance des zones. Nous, on a la chance de connaître les chefs d'entreprise, de les rencontrer souvent, les principaux notamment, d'être à l'aise et pour les voir quand ils nous demandent quelque chose. Moi, je vous ferai bien une double proposition. Une, d'aller à Derval. Je pense qu'on sera bien accueillis par le maire là-bas, hein, Dominique. Absolument. Et puis une autre sur Châteaubriant, sur un dossier qu'on aura traité la semaine prochaine. Et je crois que c'est plus on connaît le tissu économique local, je vous assure, plus on est motivé après. Parce qu'on découvre un savoir-faire que 95% de la population ignore. On a un savoir-faire spécifique de nos concitoyens dans leurs propres entreprises. C'est vraiment une découverte toujours très positive à faire. Et donc, en complément aussi de dire, très souvent, effectivement, on voit le visuel du nom de l'entreprise, mais quand on ose pousser les portes, c'est là où, en fait, on découvre effectivement la richesse des hommes en place, leur passion pour ce qu'ils font. Et donc, c'est forcément des échanges fructueux. Et je pense aussi que ces chefs d'entreprise apprécient fortement que les élus aillent à leur rencontre. Moi, je voudrais juste dire, en tant que maire de Gence, bien sûr, je suis très favorable. Par contre, j'étais très surprise ce matin de voir l'annonce déjà dans le journal, alors qu'on valide ce soir. Voilà, c'était juste ma surprise. J'allais presque dire la parole est à l'accusé, mais ça ne se fait pas. Simplement pour dire à la presse qui est revenue que la délibération a été votée à l'unanimité. Je crois que l'habitude qu'on a, c'est de communiquer à la presse l'ordre du jour du conseil municipal et les délibérations. Ce n'est pas fait un mois avant, c'est fait la veille. Ceci explique peut-être cela. Contrairement à BTIMO, où on avait un laps de temps qui était juste quelques heures avant le conseil. Donc c'est certainement pour ça. Et peut-être que c'est cet article qui a fait qu'on soit ce soir d'accord à l'unanimité. Donc merci. Bien, bah écoutez, s'il n'y a pas d'autres remarques, je vous propose de passer donc à la délibération. Donc, compte tenu de ce qui précède, le Conseil communautaire décide d'approuver la prestation d'accompagnement de Loire-Atlantique Développement SPL, de déléguer au bureau communautaire l'étude et l'ajustement du plan de financement correspondant à venir et la sollicitation des aides financières associées, notamment dans le cadre du programme Territoire d'industrie, d'autoriser Monsieur le Président ou Monsieur le Vice-Président délégué à signer tous les documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Merci. Adopté à l'unanimité. Donc, délibération 060, qui concerne donc la cotisation foncière des entreprises et la notion d'exonération en faveur des établissements de spectacles cinématographiques. Donc, les dispositions des 3 bis et 4 de l'article 1464A du Code général des impôts permettent aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre d'exonérer de cotisations foncières des entreprises, des établissements de spectacles cinématographiques répondant à certaines conditions,
Conformément au 1 de l'article 1586 nonis du même code, la valeur ajoutée des établissements exonérés de cotisations foncières des entreprises en application de la délibération d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est, à la demande de l'entreprise, exonérée de cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises pour sa fraction taxée au profit de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Considérant que ce mécanisme d'exonération avait été adopté par l'ex-communauté de communes du Castelbriantais le 1er juillet 2010, mais n'avait pas été repris au moment de la fusion au 1er janvier 2017 avec la communauté de communes du secteur de Derval, il vous est proposé d'exonérer de cotisations foncières des entreprises les établissements de spectacles cinématographiques qui ont réalisé un nombre d'entrées inférieur à 450 000 au cours de l'année précédant celle de l'imposition. Ce dossier a également été examiné lors de la commission de finances, économie, emploi, formation, chambre consulaire, réunie le 16 juin dernier. Donc ça concerne pour notre territoire donc un cinéma. Je pense qu'il y a une petite coquille, hein. C'est pas 450 000. Émeraude Cinéma, ça marche très bien, mais c'est 45 000. Parce que les grandes années, c'est entre 80 et 100 000. Moi, je voudrais saluer l'équipe d'Émeraude Cinéma, parce qu'ils ont vécu un moment très difficile. On avait eu l'habitude de les accompagner pendant quelques années, et ils avaient une attitude tout à fait... je dirais respectueuse et étonnante, en nous disant un jour, c'est plus la peine de nous aider, on a trouvé notre rythme de croisière, la programmation cinématographique nous permet d'équilibrer nos comptes, et c'est eux qui nous avaient dit arrêtez de nous subventionner. Et j'avais été personnellement très, très satisfait de cette attitude. Là, ils ont vécu des moments difficiles. On revient à une mesure qu'on avait prise dans le passé, mais c'est 45 000. Le jour où ils seront à 450, je pense qu'on aura multiplié la population, les emplois et résolu nos problèmes de zone d'activité. Oui, le partenariat a toujours été très constructif avec Atlantique Ciné puis Émeraude Cinéma parce que ils ont continué même à appliquer les tarifs de la communauté de communes, c'est-à-dire une déduction pour les habitants de la communauté de communes, alors qu'ils nous avaient demandé de ne plus les soutenir financièrement. Donc vraiment, le partenariat a été constructif et là, c'est évidemment au regard de l'année dernière, leur donner un coup de pouce. Y a-t-il des remarques ? Oui, une petite. Alors juste pour dire que je suis pleinement satisfait de cette décision hein, pour le cinéma qui est vrai à traverser cette crise de façon où c'est très compliqué. Donc c'est très bien qu'on aille leur donner, qu'on vienne à leur aide. Et justement, moi j'avais une petite question, c'était pour savoir si, comment dans le Code général des impôts, il n'y aurait pas de possibilité d'étendre un peu cette exonération afin de pouvoir aider tous les commerces qui ont dû fermer pendant de nombreuses semaines, voire de nombreux mois pendant cette année 2020, hein, tous ces commerces que l'on qualifiait de non essentiels, mais qui pour nos centres-bourgs ou nos centres-villes sont essentiels pour le lien social et pour le dynamisme de notre territoire. Donc, donc voilà, c'était pour savoir si c'était possible et si c'est possible. Effectivement, je conçois que ça soit un coût pour l'intercommunalité, hein, mais c'est un choix aussi politique de pouvoir aider nos commerçants et artisans du territoire. Alors, si je peux me permettre, personnellement, je n'ai jamais employé et encore moins pensé à la notion de commerce non essentiel. Je trouve que c'était traumatisant. Moi, je ne suis pas concerné, mais je me mets à la place de celui qui a fait 30 ans de carrière et qui a appris, après, avec la Covid, qu'il faisait un boulot non essentiel. C'est quelque chose que je n'ai toujours pas compris. Et je trouve... Alors maintenant, la CFE, c'est une recette importante, hein, vous le savez pour nous, mais vous savez qu'on a adhéré au plan régional mis en place dès cet été par la région à une somme importante. Et je pense plutôt qu'il faut qu'on fasse le bilan avec qui de droit sur les conséquences de la crise vis-à-vis de certains commerces, puisque je ne le fais pas toujours, mais l'État
a joué son rôle. Et il faut savoir qu'il y a des commerces qui ont été, entre guillemets, supportés par l'administration fiscale et par l'État. Et ce n'est pas forcément une fermeture qui entraîne une faillite, vous voyez. Donc je crois qu'on a joué notre rôle là où on pouvait, comme l'ensemble des collectivités. Et moi, je suis prêt à ce qu'on fasse un groupe de travail en associant surtout les experts comptables qui ont été sollicités l'été dernier. On avait d'ailleurs amendé les règles du dispositif de la région qui avait été à l'écoute de ce qu'on avait dit. Et ce qu'on avait dit, c'était simplement ce qu'avait transmis, on avait transmis ce qu'avaient évoqué les experts comptables. Vous avez des commerces qui ont fermé. Et objectivement, j'ai eu des contacts avec des entrepreneurs qui m'ont dit on a pu passer parce que, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ils ont été soutenus. Donc, je crois que c'est plutôt une analyse cas par cas pour ceux que vous connaissez, et on peut faire un groupe de travail là-dessus. Peut-être préciser que par rapport aux locaux commerciaux qui appartiennent à la communauté de communes, on a fait des rabais de loyer aux commerçants qui étaient. Donc il y a eu là une prise de responsabilité hein, de la communauté de communes pour les accompagner dans le cadre du dispositif d'aide au commerce. Donc là où on a pu agir, on l'a fait dans ce sens-là par rapport au loyer. D'autres remarques? Écoutez, je vous propose de passer au vote. Donc, compte tenu de ce qui précède, le Conseil communautaire décide d'approuver la prestation d'accompagnement de... Ah, pardon, je me suis trompé de ligne. Excusez-moi. Compte tenu de ce qui précède et après examen, le Conseil communautaire décide d'exonérer de cotisations foncières des entreprises les établissements de spectacles cinématographiques qui ont réalisé un nombre d'entrées inférieur donc à 45 000 et non pas 450 au cours de l'année précédente, celle de l'imposition, de fixer le taux de l'exonération à 100% et d'autoriser M. le Président ou M. le Vice-Président délégué à signer tous les documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Qui s'abstient? Qui vote contre? Je vous remercie. Adopté à l'unanimité. Donc, délibération 61, aménagement de liaison douce entre la plateforme de regroupement des autocars scolaires et le pôle scolaire public lycée-collège à Châteaubriant. Par délibération du 17 décembre 2020, le Conseil communautaire a approuvé les tracés de nouvelles liaisons douces à aménager entre la plateforme de regroupement des autocars scolaires et le pôle scolaire public lycée-collège. Ces tracés assureront également une continuité entre le centre-ville et les voies vertes en direction de Nantes au sud, de Rennes au nord-ouest et de Segré en Anjou bleu et Château-Gontier au nord-est. Le 26 février 2021, la qualité de ce projet a été reconnue par le ministère de la Transition écologique. La communauté de communes Châteaubriant-d'Herval figure parmi les cinq lauréats en région des Pays de la Loire du 3e appel à projet du fonds Mobilité active aménagement cyclable, aux côtés de Le Mans Métropole, La Roche-sur-Yon, Saumur et la commune nouvelle de Montrevault-sur-Èvre. À ce titre, elle va bénéficier d'une aide de l'État à hauteur de 50% d'un coût prévisionnel estimé à 650 000 euros hors taxes, intégrant les études, démarches préparatoires et travaux d'aménagement. Ce projet a également été retenu par le Conseil régional des Pays de la Loire qui lui a attribué une aide à hauteur de 27% du coût prévisionnel au titre du Fonds régional exceptionnel pour la relance de l'investissement intercommunal. L'acquisition par la communauté de communes de la friche industrielle Acier Plus offre la possibilité d'intégrer dans ses tracés l'aménagement d'une nouvelle section de liaison douce sur une partie de l'emprise foncière afin de conforter la continuité sécurisée de l'itinéraire sans emprunter la rue de la gare. L'ajout de cette section aménagée et les investigations complémentaires conduisent à une préparation de la consultation des entreprises intégrant plusieurs options se traduisant par un marché de travaux qui dépassera le seuil des 500 000 euros hors taxes. Ce seuil étant celui qui fait l'objet d'une délégation accordée au président par délibération du 24 juin 2020, il est proposé de l'autoriser à signer ce marché. Ce dossier a été examiné lors de la commission Finances, Économie, Emploi et Chambre consulaire, réunie le 16 juin dernier. Y a-t-il des remarques ?
Une question de compréhension quand même, c'est l'ajout qui coûte 500 000 euros, non ? Non, non, c'est la totalité. Parce que ça prête à confusion, hein, quand on entendra des... Ça prête vraiment à confusion, oui. Non, non, c'est sur la totalité du marché. Hein. D'autres questions ? Compte tenu de ces éléments, le Conseil communautaire décide d'autoriser Monsieur le Président à signer le marché des travaux d'aménagement de liaison douce entre la plateforme de regroupement des autocars scolaires et le pôle scolaire public, lycée et collège à Châteaubriant au terme de la mise en concurrence. D'autoriser Monsieur le Président ou Monsieur le Vice-président délégué à signer tous les documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Une abstention. Merci. Je vous propose de passer à la délibération 62 qui concerne le rapport d'activité de la communauté de communes de Châteaubriant-d'Herval au titre de l'année 2020. Vous savez que conformément au Code général des collectivités territoriales, le président de la communauté de communes doit adresser chaque année avant le 30 septembre, au maire de chaque commune membre, un rapport qui retrace l'activité de l'intercommunalité. C'est dans ce cadre que le rapport d'activité est présenté en séance aux conseillers communautaires. Ce dossier a été évoqué lors de la commission personnelle administration générale mutualisation réunie le 3 juin dernier. Je dis évoqué parce qu'il n'était pas complètement finalisé à cette date-là. Vous avez ce soir sur table un exemplaire de ce rapport d'activité qui est également mis en ligne. Et la particularité, et le président l'a souhaité, pour souligner, je dirais, la vitalité du territoire de l'intercommunalité, présenter aussi ce rapport d'activité ce soir sous la forme d'un film qui va vous être diffusé à l'instant. Le rapport d'activité présente une synthèse des actions et projets menés par la collectivité durant l'année écoulée. Découvrons ensemble le contenu de cette publication et cette année 2020 qui fut particulière à plusieurs titres. Particulière tout d'abord avec la tenue d'élections municipales en mai 2020 et le renouvellement des conseillers communautaires en juin 2020. Les quatre instances de la collectivité, à savoir le conseil communautaire, le bureau communautaire, la conférence des maires et les 14 commissions thématiques, ont ainsi été remodelées afin de poursuivre les actions déjà engagées et de lancer de nouveaux projets pour le territoire Châteaubriant-d'Herval. En 2020, les élus communautaires ont adopté 153 délibérations lors des 6 réunions de conseil. Cette année fut également particulière en raison d'un contexte inédit de crise sanitaire et aux nombreuses répercussions socio-économiques. Avec les confinements de mars et novembre 2020, la communauté de communes a dû faire preuve de résilience et de réactivité afin de maintenir les services à la population dans le respect des normes sanitaires. Aux côtés des 26 municipalités, l'intercommunalité a participé à la mobilisation collective au travers de ses élus et de ses agents en organisant des réunions régulières en visioconférence, en mutualisant les achats de masques et de gel hydroalcoolique et en harmonisant les actions au fur et à mesure des évolutions des directives nationales. Découpé en 4 grandes catégories en fonction de l'organisation de la collectivité, le rapport d'activité revient dans un premier temps sur les actions des services support en 2020. Au cœur des services support, l'administration générale a pour mission principale de préparer et de suivre les différentes réunions des instances de la communauté de communes. Elle veille également au respect des obligations administratives et gère plusieurs lieux d'accueil et d'information au public, l'accueil de la collectivité à Châteaubriant et de son annexe à Derval, l'accueil de la Maison de la Justice et du Droit à Châteaubriant et l'espace France Service à Derval. L'administration générale coordonne également le service informatique et le suivi des quelques 300 équipements électroniques de la collectivité. Les services techniques apportent quant à eux expertise technique et soutien logistique aux différents services et établissements intercommunaux.
Les services supports comprennent également les ressources humaines et la gestion des 219 agents de la collectivité. Composé à 68% de femmes, le personnel bénéficie, grâce au RH, d'un accompagnement dans le développement de leurs compétences. Autre service support, la communication conseille et accompagne les élus et les services dans leur stratégie de communication et dans la programmation d'actions visant à promouvoir le territoire, la collectivité, ses services et ses projets. Le service finance, chargé de l'élaboration de l'ensemble des documents financiers et comptables, contrôle également l'exécution des différents budgets. Composé d'un budget principal et de 6 budgets annexes, le financement de la collectivité s'équilibre avec les dotations, les compensations et les revenus issus de la fiscalité locale. La communauté de communes assure également la gestion d'un foirail et d'un chenil. D'envergure nationale, le foirail intercommunal installé à Châteaubriant a accueilli plus de 63 000 animaux, principalement des bovins, lors de 51 marchés. Intéressons-nous maintenant au deuxième des quatre pôles de la communauté de communes, le pôle développement du territoire, économie, emploi, formation. L'économie a été tout au long de l'année une priorité pour la collectivité à travers plusieurs actions importantes, comme la participation au Fonds territorial résilience des Pays de la Loire, la mise en action du programme Territoire d'industrie avec la mobilisation des acteurs économiques des territoires Châteaubriant-Derval et Ancenis autour des thèmes de la formation, de la mobilité, du logement et du digital. Le développement d'un pôle de formation sur l'ancien site Acier Plus en partenariat étroit avec le Greta CFA pour en faire un pôle de formation départemental autour des métiers de l'industrie et de la logistique. L'organisation de plusieurs rencontres avec les acteurs économiques du territoire. L'accompagnement des entreprises constitue plus que jamais le quotidien de ce pôle. Aides économiques pour les dirigeants, recherche foncière ou immobilière, soutien aux commerçants de centre-ville et des centres-bourgs, actions de promotion des artisans producteurs locaux ont ponctué cette année. Le développement territorial se concrétise aussi à travers un partenariat renforcé avec les trois chambres consulaires et la réalisation de nombreuses actions interprofessionnelles, comme dans le cadre du projet alimentaire de territoire. 2020 est l'année du développement des propositions en enseignement supérieur pour le territoire, avec l'aboutissement de deux grands projets, l'ouverture d'un campus connecté labellisé par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation au Quai des Entrepreneurs à Châteaubriant, et le renforcement du partenariat avec le CNAM et la création d'une nouvelle licence en alternance. L'Office de tourisme intercommunal complète les services de ce pôle développement du territoire, économie, emploi, formation, en participant à la promotion touristique du territoire et à l'accueil des visiteurs. Malgré un contexte difficile, des animations et des projets de développement touristique ont pu être maintenus, comme par exemple la création d'une nouvelle programmation itinérante Les Intercalés en juillet et août 2020 grâce à la collaboration des services de l'intercommunalité et des communes associées. L'aménagement d'une nouvelle voie verte reliant Châteaubriant à Segré en Anjou Bleu et l'ouverture d'une aire de camping-car sur le site de Choisel. Autre domaine de compétences d'envergure pour la collectivité, le pôle aménagement du territoire, environnement, regroupe les services habitat, mobilité, prévention et gestion des déchets, GEMAPI et assainissement non collectif. Action phare de ce pôle, l'OPA, opération programmée d'amélioration de l'habitat, a été lancée en mai 2020 afin de permettre aux habitants du territoire d'être accompagnés dans leurs projets de rénovation ou d'amélioration de leur logement. Une enveloppe d'aide spécifique a également été dédiée aux opérations de rénovation de façades dans les centres-villes et centres-bourgs. Aux côtés de l'habitat, le service mobilité agit également pour le quotidien des habitants du territoire Châteaubriant-Derval. Symbolisé par l'ouverture de la maison de la mobilité fin 2019, le service participe au développement et à la promotion d'une offre de mobilité répartie sur trois grands volets. Les transports collectifs avec notamment le minibus électrique Cébus, le tram-train Nantes-Châteaubriant et la voie ferrée Rothier-Châteaubriant dont la réouverture est prévue le 31 août 2021, les mobilités actives et les automobiles partagées. L'environnement est aussi au cœur de ce pôle avec le service prévention et gestion des déchets, collecte des ordures ménagères et des emballages en porte-à-porte, gestion des points d'apport volontaires et fonctionnement d'un réseau de 5 déchetteries intercommunales sont autant d'actions concourant à réduire l'impact environnemental des activités des 26 communes du territoire. Nouvellement ajoutée aux compétences de l'intercommunalité, la gestion des milieux aquatiques contribue à préserver la qualité de l'eau des rivières et à mettre en place un programme de prévention des inondations. Une partie de ces missions a été confiée à trois syndicats des bassins versants, Cherdon Isaac, Oudon et Semnon. Le pôle aménagement du territoire environnement s'occupe enfin du SPANC, le service public d'assainissement non collectif. Celui-ci gère aux côtés des mairies le suivi des installations et le versement des aides à la réhabilitation.
Quatrième pôle de la collectivité présenté dans ce rapport d'activité, les services à la population regroupent les domaines de la petite enfance, l'enfance-jeunesse, la solidarité et le social, les sports et loisirs et enfin la culture. En matière de petite enfance, le territoire Châteaubriant-d'Herval dispose de 5 structures d'accueil pour jeunes enfants de 0 à 4 ans. Ces multi-accueils sont complétés par le relais petite enfance, dont la mission est à la fois d'accompagner les assistants maternels et d'informer les parents. Le guichet unique intercommunal regroupe l'ensemble des informations et de la documentation à destination des familles du territoire. Il centralise également les inscriptions aux nombreux événements et animations organisés par les services, comme ce fut le cas pour la programmation estivale itinérante Les Intercalés. Pendant les vacances scolaires, les accueils de loisirs intercommunaux et associatifs proposent des animations pour les enfants du territoire, complétées par une offre de séjour et d'activités. Autre lieu d'accueil des familles, la ludothèque a, malgré cette année difficile, maintenu son service de prêt de jeux et de jouer. Dans le domaine de la solidarité et du social, le centre socio-culturel intercommunal s'est adapté au contexte en proposant des rencontres en extérieur permettant de garder le lien avec le public. Inauguré en septembre 2020 en présence de Christelle Morancet, présidente de la région des Pays de la Loire, le centre socio-culturel intercommunal a bénéficié d'une participation du département à hauteur de 100 000 euros, de la région à hauteur de 350 000 euros et de l'État à hauteur de 250 000 euros. Nouvelle structure ouverte en janvier 2020, la Maison des aidants a pour mission d'accompagner les familles d'enfants en situation de handicap. Les services à la population comprennent également les espaces aquatiques à Châteaubriant et à Derval qui ont pu maintenir tant que possible l'accueil des scolaires et du grand public grâce notamment au bassin de nage en extérieur à Aquachoisel. Du côté de la culture, le conservatoire intercommunal a su proposer à ses élèves un suivi en distanciel et a fait preuve d'innovation pédagogique, notamment par la création de supports vidéo. Afin de démocratiser l'accès à la culture pour tous, différents dispositifs sont mis en place. Intervention en milieu scolaire, parcours d'éducation artistique et culturelle, résidence de cinéma d'animation et accueil de classe dans les bibliothèques et médiathèques. La lecture publique fonctionne à travers un réseau de 26 établissements gérés et animés par des bibliothécaires professionnels et bénévoles. En matière de projets culturels, la communauté de communes poursuit ses investissements avec en 2020 la construction et l'inauguration d'une médiathèque à Soudan et d'une bibliothèque à Noyelles-sur-Bru. Enfin, un nouvel espace d'exposition intercommunale a vu le jour avec la Galerie 29 à Châteaubriant. Ce rapport d'activité 2020 que nous venons de parcourir ensemble démontre que malgré les difficultés rencontrées pendant cette année en raison de la crise sanitaire, la communauté de communes a fait preuve de solidarité et traduit à nouveau la volonté de la collectivité de participer au développement équilibré du territoire communautaire. Bien, voilà un film qui synthétise bien le dynamisme de la communauté de communes dans une période effectivement qui a été particulièrement difficile. Sauf s'il y a des remarques particulières, je vous propose de passer à la décision. J'aurais, s'il te plaît, 2 minutes, Philippe. Oui. Je voudrais, à travers ce rapport d'activité, souligner 2 choses. Je voudrais remercier tous les collègues maires qui, certains, été élus pour la première fois, de leur solidarité, puisqu'on avait l'habitude de se rencontrer tous les jeudis pendant cette crise qui nous tombait dessus. Et je dois dire que même avec de l'expérience, elle était compliquée à vivre. Donc j'imagine ce que c'était pour les nouveaux collègues. Et elle a été l'occasion de montrer l'intérêt de cette intercommunalité et la nécessité de la renforcer. Sans le degré d'intégration de la Comcom, je ne sais pas comment on aurait fait. Donc je voudrais remercier tous les collègues et puis les délégués communautaires. Et deuxième remerciement à travers les 219 agents, c'est de remercier toute l'équipe de nos agents, puisque 219, c'est déjà une belle entreprise. Et c'est compliqué d'illustrer le travail des uns et des autres. Ce film, c'est aussi de leur rendre hommage. Et quand quelqu'un vous dit, pas forcément vos collègues de chaque conseil municipal, parce que chacun sait maintenant à quoi sert la Terco, mais dans la rue, à quoi ça sert, la Comcom. Je pense que ce film-là, ça aide à connaître l'intérêt de cet échelon qui est devenu indispensable. Donc merci à nos agents. Je vous propose de passer à la décision. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil communautaire donne acte à Monsieur le Président de la transmission du rapport d'activité de la communauté de communes de Châteaubriant-d'Herval relatif à l'année 2020.
Passons à la délibération numéro 63 qui porte sur la modification du tableau des effectifs. Il est proposé de mettre à jour le tableau des effectifs pour les besoins suivants. Suite à la délibération du 15 avril dernier qui précisait les conditions de reprise du personnel du SITC et la répartition des agents entre les communautés de communes de la région de Nozay et de Châteaubriant-d'Herval, il y a lieu de créer les postes correspondants au tableau des effectifs afin de pouvoir procéder à leur transfert. Un poste d'adjoint administratif à temps non complet pour 18 heures, un poste d'adjoint administratif principal de deuxième classe à temps non complet également de 18 heures, un poste d'adjoint administratif principal de deuxième classe à temps non complet de 28 heures, un poste de rédacteur à temps complet. Par ailleurs, un assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques principales de deuxième classe à temps complet au sein du réseau de lecture a souhaité demander sa mutation pour une autre collectivité. Le poste laissé vacant a fait l'objet d'un appel à candidature. Le candidat retenu étant titulaire du grade d'assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques principales de première classe, et aucun autre poste correspondant n'étant vacant au tableau des effectifs, il y a lieu de créer le poste correspondant. Également, comme chaque année, il y a lieu d'ajuster le temps de travail de certains enseignants du conservatoire aux besoins réels, tenant compte du nombre d'élèves inscrits. Aussi, il est envisagé de créer les postes suivants. Un poste d'assistant d'enseignement artistique principal de deuxième classe à temps non complet à 14 heures, en remplacement d'un poste à 15 heures. Un poste d'assistant d'enseignement artistique principal de deuxième classe à temps non complet à 9h50, en remplacement d'un poste à 8h50. Également, par délibération du 22 février 2018, un poste non permanent d'attaché territorial à temps complet avait été créé pour permettre le recrutement d'un chargé de mission plan alimentaire de territoire. Ce besoin étant devenu permanent, il y a lieu d'intégrer ce poste au tableau des effectifs permanents de la communauté de communes. Par ailleurs, un agent titulaire du grade d'auxiliaire de puériculture principale de deuxième classe à temps non complet, 17h50, effectue des heures complémentaires de manière régulière à hauteur de 28 heures. Aussi, ce besoin étant pérenne, il est proposé de régulariser cette situation en créant un poste d'auxiliaire de puériculture principale de deuxième classe à temps non complet pour 28 heures. Ces modifications de temps de travail des agents ont été présentées largement en comité technique le 20 mai 2021 et ont reçu un avis favorable. Enfin, il est proposé de supprimer des postes vacants au tableau des effectifs, notamment suite à des modifications de temps de travail ou des avancements ou promotions. En particulier, un poste de conservateur de bibliothèque de première classe à temps non complet, un poste de professeur d'enseignement artistique de classe normale à 9 heures, un poste d'auxiliaire de puériculture principale de deuxième classe à temps non complet pour 17h50, un poste d'attaché territorial, dans le prolongement de ce que j'évoquais précédemment, non permanent, à temps complet. Ce dossier a par ailleurs été examiné lors de la commission personnel, administration générale et mutualisation qui s'est réunie le 3 juin dernier. Est-ce qu'il y a éventuellement des remarques de la part des uns ou des autres ? Je vous propose de passer à la décision. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil communautaire décide de modifier le tableau des effectifs comme suit. Au titre des créations de postes, un grade d'adjoint administratif à temps non complet pour 18 heures, un poste. Au titre toujours des créations de postes, un poste d'adjoint administratif principal de deuxième classe à temps non complet pour 18 heures.
un poste d'adjoint administratif principal de deuxième classe, à temps non complet pour 28 heures, un poste de rédacteur à temps complet. Je signale concernant ces quatre postes qui correspondent à ce que nous avons évoqué tout à l'heure par rapport à la reprise des personnels du SITC, que en termes de coûts pour l'année 2021, ceci représente un surplus de 57 500 euros et qui représente en année pleine un montant global de 115 000 euros. En ce qui concerne toujours les créations de postes, un assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques principales de première classe à temps complet, qui représente un coût de plus de 2 500 euros et en année pleine 6 500 euros. Un assistant d'enseignement artistique principal de deuxième classe à temps non complet, 14 heures, qui représente un coût pour l'année 2021 de moins 4 000 euros et moins 12 000 euros en année pleine. Un assistant d'enseignement artistique principal de deuxième classe à temps non complet pour 9h50, qui représente pour l'année 2021 plus 4 000 euros et en année pleine plus 12 000 euros. Un attaché territorial à temps complet sans incidence budgétaire et un auxiliaire de puériculture principal de deuxième classe à temps non complet pour 28 heures sans incidence budgétaire également. Au titre des suppressions de postes, un conservateur de bibliothèque de première classe à temps complet, un professeur d'enseignement artistique de classe normale à temps non complet pour 9 heures, un auxiliaire de puériculture principale de deuxième classe à 17h50, un attaché territorial non permanent à temps complet. Et donc d'autoriser Monsieur le Président ou Monsieur le Vice-président délégué à signer tous les documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Qui s'abstient ? Qui est contre ? C'est adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Délibération numéro 64. Il s'agit de la mise à disposition d'un agent de la communauté de communes de Nozay. Par délibération du 15 avril dernier, et dans le prolongement de ce que j'ai évoqué tout à l'heure, le Conseil communautaire a acté les conditions de reprise du personnel du syndicat intercommunal des transports collectifs. Il est notamment convenu qu'un agent titulaire du grade d'adjoint administratif principal de deuxième classe, assurant la mission de contrôleur qualité des transports scolaires à 28 heures, soit mise à disposition de la communauté de communes de Châteaubriant-d'Herval à hauteur de 7 heures. L'agent concerné, qui a été naturellement consulté, y est favorable, conformément aux dispositions figurant aux dispositions réglementaires de la loi de janvier 1984 et du décret du 18 juin 2008, l'Assemblée délibérante doit être tenue informée préalablement à toute décision portant sur la mise à disposition d'un agent. Les conditions de la mise à disposition et les conditions de remboursement à la communauté de communes de la région de Nozay sont précisées dans une convention qui est annexée à la présente délibération. Comité technique, consulté également sur cette mise à disposition, a émis en son temps un avis favorable. Et par ailleurs, ce dossier a été examiné lors de la commission personnelle, administration générale et mutualisation qui s'est réunie le 3 juin dernier. Est-ce qu'il y a éventuellement des observations de la part des uns ou des autres ? Je vous propose de passer à la décision. Compte tenu de ces éléments, le Conseil communautaire décide d'approuver la mise à disposition ci-dessus exposée, d'autoriser Monsieur le Président à signer la convention correspondante. Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Adhésion au Pass Culture, dispositif national. Le Pass Culture est un dispositif mis en place par le ministère de la Culture. Il a été expérimenté dans 14 départements en 2019 et il vient d'être généralisé à l'ensemble de la France à la fin du mois de mai 2021.
Le Pass Culture est une application gratuite à destination des jeunes de 18 à 20 ans. Tous les jeunes pourront s'inscrire à ce dispositif pendant l'année de leurs 18 ans. Ainsi, ils bénéficieront pendant 2 années d'un chèque numérique de 300 euros à dépenser comme ils le souhaitent dans des lieux culturels ou dans des magasins de vente de biens culturels. Cela peut concerner des places et abonnements, concerts, festivals, séances de cinéma, expositions, musées, des ateliers de pratique artistique, l'achat de biens culturels, matériels, livres, CD, instruments de musique ou numériques. La communauté de communes percevra un remboursement équivalent par le ministère de la culture pour son offre culturelle, par exemple pour le conservatoire intercommunal. Il vous est proposé que la communauté de communes adhère à ce dispositif présenté par l'État. Ce dossier a été examiné lors de la commission culture réunie le 2 juin dernier. Donc sur cette application, nous allons faire apparaître les services culturels payants, mais également gratuits, ce qui nous permettra aussi d'avoir une lisibilité sur ce que nous pouvons proposer du point de vue culturel pour ces jeunes. On prend la délibération aujourd'hui, mais les jeunes qui ont eu 18 ans au mois de janvier seront éligibles à ce dispositif. Oui. C'est juste une petite question pour la compréhension. Est-ce que, par exemple, on fige déjà l'offre culturelle au niveau de ce dossier, ou des nouveaux spectacles ou des personnes sur le territoire qui voudraient créer des nouvelles choses pourront l'intégrer par la suite ? Merci. Alors, en ce qui concerne la communauté de communes, on pourra, si on a des offres complémentaires, abonder. Ensuite, tu parles d'autres structures. Par exemple, le cinéma peut adhérer à ce dispositif, mais ça ne passe pas par le biais de la communauté de communes. Pour nous, oui, il y aura possibilité d'abonder si on a des offres complémentaires. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil communautaire décide d'adhérer au dispositif national Pass Culture, d'autoriser Monsieur le Président, Madame la Vice-Présidente déléguée ou Monsieur le Vice-Président délégué à signer tous les documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Mise en place d'un dispositif de mécénat culturel à titre expérimental. La loi du 1er août 2003 permet aux établissements publics de coopération intercommunale de bénéficier de mécénat. Le mécénat est le soutien matériel apporté sans contrepartie directe de la part du bénéficiaire à une œuvre ou à une personne pour l'exercice d'activités présentant un intérêt général. Selon l'article 238 bis du Code général des impôts, ce dispositif permet à des entreprises ou à des particuliers de contribuer à une action d'intérêt général tout en bénéficiant d'une réduction d'impôt sur le montant consacré à cette action de 60% pour les entreprises et de 66% pour les particuliers. Il convient de respecter plusieurs critères, notamment l'intérêt général évoqué et la gestion désintéressée. Ce dispositif permet aux établissements publics de développer des partenariats publics-privés. Dans le cadre des parcours d'art extérieur proposés par la communauté de communes sur le territoire communautaire, il est proposé d'expérimenter la mise en place d'un mécénat concernant ce domaine et de l'ouvrir à d'autres projets d'intérêt général. Il vous est proposé de mettre en place ce dispositif de mécénat culturel. Ce dossier a été examiné lors de la commission culture réunie le 2 juin dernier. Pour rappel de la mise en place de cette délibération qui nous permet d'avoir un cadre général sur le mécénat culturel, c'est parce que nous avons créé déjà il y a 3 ans des parcours d'art extérieurs que des acteurs économiques du territoire nous ont contactés en nous proposant de compléter ces parcours d'art, sauf qu'il fallait créer un cadre juridique qui permettait d'avoir ce partenariat public-privé. C'est ce que nous faisons dans cette délibération et nous sommes déjà en contact avec donc une entreprise. Je pense qu'il serait intéressant de préciser la notion d'expérimental. Est-ce que c'est expérimental en termes de durée, en termes de type d'art, en termes de montant peut-être, j'en sais rien, mais c'est vrai que expérimental, c'est très bien de démarrer par une expérience, mais encore faut-il la cadrer à un minimum. Alors cette idée de à titre expérimental, c'est dans le sens de tester un partenariat public-privé,
Ça va être la première fois qu'on le fait dans le domaine culturel. C'est pour ça qu'on l'a mis à titre expérimental. Et puis ensuite, eh bien, c'est par rapport aux différents acteurs économiques qui viendront vers nous, eh bien, on construira de façon singulière pour chaque acteur eh bien, ce partenariat. Voilà, donc on a besoin aussi de roder un peu ce procédé global que nous mettons en place. Je comprends bien, mais à quel moment on en fait l'analyse de l'expérience et qu'on en tire des leçons, des corrections éventuelles, des améliorations ? Ben, je pense qu'au fur et à mesure des projets qui seront proposés, on pourra le faire en commission culture. Je pense qu'on aura un premier projet sur la fin de l'année. Et puis après, ben, c'est au fil de l'eau, c'est suivant les demandes qui vont nous être faites, on pourra effectivement les examiner en commission culture. Donc, compte tenu de ce qui précède, le Conseil communautaire décide la mise en place d'un dispositif de mécénat culturel à titre expérimental, d'autoriser Monsieur le Président, Madame la Vice-présidente déléguée ou Monsieur le Vice-président délégué à signer tous les documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Unanimité. Merci. Eh bien, merci à tous et à toutes. Il n'y a pas de match de foot ce soir, mais on a terminé, vous avez vu, pas trop tard. Et par rapport au dernier conseil, on avait l'intention justement de faire des réunions moins longues. C'est pour ça qu'on se retrouvera la semaine prochaine. Merci à vous tous.